Et les gens, bienvenue sur frappstejeux.fr ou sur mon blog it103.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Sea of Thieves. J'espère que je me suis pas trompé de d'image, ce serait un peu dommage. Avec Kald, Jack et Dark Boy, si je ne me trompe pas, puisque ça change de temps en temps. Bref, c'est parti, hop, on appuie là-dessus, on enlève ça et on va rejoindre les camarades sur le Discord. On la mange? De qui? On peut la manger? Oui. Bah, tu décides. On est frères oui. De larves. C'est pas là. On est frères de larves. Enfin, sauf si je suis trop crevé d'ici là, mais normalement. Bientôt, on va être frères de vomi. Encore? On va vomir sur E.T. Vite, E.T. revient ici. Eh, mais on est dans le Devil's War. Encore. Ah, ça y est, je vomis. Ah là là, non. E.T. revient. Vite, il me faut un récipient. Tu joues la bouche? Ah. Mais je vomis pas, moi. Bah ouais. Faut qu'on aille où? Là. Où ça? Ah, là. Oh, il y a un petit bouquin. Le Shroudbreaker terminé, les mythiques Shore of Gold sont vraiment portés. Mais quel danger si tapis. Hé, hey, salut toi. Hé, hey, mademoiselle. Hé hey. Oui. Mais il est embêtant, lui. Hé hey. Ah, tu m'attendais, hein, coquine. Laisse-la parler. M'en fous, j'ai les sous-titres. Oh, mais tu lui marches sur la tête. Mais c'est pas très poli. Bah, il reste encore une fable à faire après celle-là, Isa. Mais elle fait pas partie du Shore of Gold. Ah, malheureusement, Lucie, c'est vrai qu'on peut pas faire ça dans la vraie vie. Ça serait pratique, hein, parfois, des sous-titres dans la vraie vie. Quand on entend certaines personnes parler, avoir une petite traduction en dessous, ça irait bien. Je vous conseille d'aller faire un tour dans la dans les Vosges profondes. Je vous dis que parfois, on a du mal à entendre et à comprendre ce qu'ils disent. Hein. Ah, non, le mieux, le gardien de votre ciné. Le gardien de votre ciné, là, Strasse. Ah oui, oui, oui. Ah, le patois alsacien. C'est bien hein, qu'il y ait du patois, mais par contre, pour un français lambda, tu peux pas comprendre. Ah, mais lui, tu ne comprends rien quand il parle, mais vraiment rien. Mais en même temps, c'est une autre langue. Vosgien, c'est juste un nouvel accent qui fait que tu comprends rien. Mais normalement, il parle la même langue. Hein. Mais je crois qu'il parle. Eh, bah, je sais pas quelle langue il parle, mais il parle français, je crois, mais avec un accent tellement. Tu parles d'haleine, Cal, pour la compréhension, punaise, c'est vieux ça. Oula, attends, tu balances des références que je n'ai plus là, Gatix. Le patois normand, on tient une couche. Une... Fable, celui-ci, reçu. Après, on salue quand même nos amis vosgiens, on les adore, j'ai vécu en Vosges pendant un petit moment, et puis vous faites des très bonnes salades. Cher pirate, si vous lisez cette lettre, alors vous avez relevé le défi et vous avez obtenu le Shroudbreaker pour atteindre le Tribute Peak, l'île que vous connaissez sous le nom de Shore of Gold. Vous devez apprendre la vérité sur les périls qui vous attendent lors de votre voyage. Le... C'est marrant, parce que Uti, même quand il prend une voix aiguë, elle est quand même plus grave que moi. Le Devil Shroud se comporte comme un être vivant, et allant et venant au gré de ses humeurs. Un jour, il a brièvement révélé Tribute Peak. Il a ouvert le passage à un homme au cœur pourri par son insatiable cupidité, et ce qu'il a trouvé là, l'a changé la vie, à jamais. C'est peut-être une petite chanson, on sait pas. Hein. C'est possible. On dirait Gollum. Mais non, Gollum, c'est plus comme ça. Vous êtes en mesure d'atteindre les Shore of Gold et de détruire les ténèbres logées au cœur de l'île. J'ai ah non, pu mais récupérer... Moi, je veux juste les coffres, hein, les ténèbres au cœur de l'île. Vous, vous démerdez, les copains. J'ai pu récupérer quelques écrits signés de la main de Briggsy elle-même. Avec ce savoir, vous pourrez percer les mystères de l'île et atteindre son centre. Réussissez cette quête et les chants louant votre courage seront repris pendant des années dans toutes les tavernes de Sea of Thieves. Échouez et vous perdez votre âme. Seigneur de la piraterie et c'est pas écrit en entier. Moi, je pense que c'est de la publicité mensongère. Je pense que quand on va finir la quête, eh ben, on va pas du tout entendre des histoires de nous dans les tavernes. Et puis bon, bah, une chanson sur des boulets, je suis pas sûr que ça puisse suffire. Je l'ai fait. J'ai perdu mon sloop, mais bon, la capitaine Briggsy, aventurière extraordinaire, a atteint les Shore of Gold. Même Moreau et son alliance n'y étaient pas parvenus. Cette île appartenait visiblement aux anciens. J'ai trouvé une salle en suivant un chemin descendant au pic central de l'île. Elle contient une énorme sculpture, mais il manque des sortes de médaillons. C'est Joe Indy. Dark, il disait Barry White sous Helium. Toi, tu dis Barry White qui se fait pincer les couilles. C'est quand même plus violent. Je le comprends à présent. L'île représente une gigantesque boussole. À chaque colonne rocheuse correspond une direction et une cache secrète.
Ces quatre points détiennent les éléments manquants de la chambre centrale. Elles sont protégées, évidemment. Voilà où j'en suis. Alors, petit conseil, remontez sur le bateau et vous finirez de lire le bouquin sur le bateau. Parce que tant qu'on n'est pas à l'île, le bouquin il sert à rien. Ok. Et bah, je vais attendre que la petite sirène apparaisse. Je vais t'en profiter pour essayer de récupérer des ressources supplémentaires si j'en ai encore dans. Ouais, j'ai encore un tout petit peu de place. Il y a une petite caisse à lire si vous jamais vous voulez avancer dans le succès. Alors prenez vite le bateau parce que j'en ai des coups. Ah! Ah! Yes, bon, normalement j'avais la barre droite et il n'y avait pas de rocher. Hey, il y a un truc doré là-bas! Par contre, il n'y a toujours pas la sirène. Hein. Il est où le bateau? Ouais, il y a un coffre. Près du crâne rouge là-bas. Une prime des âmes. Ah, enfin! Ah, voilà la sirène! Bah, dis donc, Chagas, tu t'es fait attendre! Rire diabolique. Tu l'as déjà fait, Isa? Celle-ci? La petite Isa qui comme à chaque fois souhaite notre malheur. C'est vraiment une personne ignoble, cette Isa. Hein. Franchement. C'est quoi ce temps de chargement de l'infini là? Ouais, bon, le bateau va bien. Ah! Le bateau est en feu! Mais pourquoi? Ah, bah, ça, c'est une excellente question. Quelqu'un a encore laissé. Là où il brûle, c'est que quelqu'un a encore laissé cramer quelque chose. Ah! Bah, t'as peut-être pas retiré le requin? Bah, si, je l'ai remis dans le. Il est dans le coffre. C'est... Mais qui c'est qui met encore une putain de banane? Y'a un mec planqué sur notre bateau ou quoi? Ah, non, sur le coup, je vous jure, c'est vraiment pas moi. Y'a un mec planqué sur le bateau, c'est pas possible. Pourquoi y'a de la fumée? Ah! Mais parce qu'il y a de nouveau du feu! À secours! Une flambée aussi! Par contre, y'a un mec bloqué qui plante des bananes, en fait, c'est pas complètement possible. Mais qui c'est qui fait ça? Mais c'est lui là, Scarface, c'est bien un mec planqué. Bah. Ah ouais? Ouais. Mais pourquoi tu le dis pas plus tôt? Mais parce que je viens de le voir! Et parce que c'est le mec qui t'allume depuis tout à l'heure! Et personne ne l'a. Non, c'était moi qui l'ai allumé. Enfin, c'est moi qui t'ai allumé, E.T. D'accord. Donc, il y avait bel et bien un mec planqué qui mettait des bananes. Mais c'est quoi le délire de mettre des bananes à café? What? Alors, c'est une attaque terroriste. C'est une technique qui a été développée. Ok, ça commence bien. Mais what? Ah non, mais on a développé des techniques. C'est ce que je comme la technique de la chaloupe, de la chaloupe tortue. Mais what the fuck? C'était sûr qu'il y avait un mec planqué du coup si aucun de nous mettait de bananes à cuire. Mais il a depuis... Attends, c'est-à-dire que depuis le début, il est là, il s'ennuie. Il est là depuis un bon moment, parce qu'avant la rediff, il y avait déjà une banane qui flambait. Donc il est là depuis un petit moment. Le mec c'était... Attendez, il y en a peut-être d'autres, hein, checker. Ah, je pense pas. Oups. Locklear, on sait que t'es là. On a un joli bateau quand même, hein. Petit bateau! Pardon. Fouiller le bateau. Ça se trouve, c'est Twain et on s'est fait streamer qu'il a monté un équipage. Ok, c'était que des bottes. J'ai cru que c'était un mec. Ah, dans le doute, j'ai tiré. Hein. Non, faut toujours frapper de façon péremptoire en tenant par la partie boulière de l'arme. Ou sporadique. Non mais on va pas du tout vers le nord, putain de bateau. Mais... Faut que je rachète un bananes missionnaire. Qui crament ça aussi. Coucou Defbase, ça va bien et toi? Bon bah en tout cas y'a des mecs qui ont du temps à perdre. Hein. Ah mais ça c'est bah, bon oui. Ça. C'est pas faux. Mais tu vois, c'est un des trucs qui m'agace le plus. C'est des mots comme ça, je regarde dans le dictionnaire, et puis je connais la définition, et puis après j'oublie. C'est pratique, ça. Ben, justement, non. C'est chiant de devoir tout le temps réapprendre. C'était de l'ironie. Ah. Ouais, mais regarde, grâce à ça, tu découvres un peu chaque jour. Bah, à ton avis, pourquoi j'arrête pas à m'émerveiller tout le temps? Tu as une mémoire tampon d'environ 30 secondes. C'est ça, voilà. Coucou des souilles, comment vas-tu? Mettez les voiles! Mais tu vas me parler mieux, ouais. Mais que si tu veux qu'on mette les voiles, elles sont déjà dans le monde, non?
Putain, parce qu'on en est au 35ème live, ça y est, ils commencent à prendre la confiance tous les deux là. Ils discutent les ordres. Bah, qu'est-ce que tu crois toi? Je suis bientôt légende. 35ème live? Je sais pas, on en est au combienième? 33ème, je crois. Moi, je sais pas, je peux plus uploader donc. 33ème rediff, mais au début, il y avait 3 rediffs par live. Donc, on est pas au 33ème live. Non. Tum, 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 je pourrais les compter, normalement je prends les notes. Ah, elle était bien cette musique, c'est dommage. Mais je sais, je sais, je sais, mais attendez, je reviens. Ah, qu'est-ce qu'il est beau ce Shroudbreaker. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, vous avez pas vu le Shroudbreaker. Non. Voilà, parce que quand même, là, ouais, elle arrête pas de mettre des références à Kaamelott, donc quand même, je suis obligé de montrer ça. Hein. Voilà, j'en suis très fier. Venez voir à côté du gouvernail. Et il faut si qu'on ça se trouve, fasse l'intégrale de Kaamelott avant que le film sorte. À côté du gouvernail. On a une nouvelle pièce de déco sur le bateau. Il est où le Shroudbreaker? À gauche, il y a un machin bizarre avec une statuette. Waouh. Attends, on dirait un truc d'Indiana Jones. Ouais. C'est beau quand même. Je sais pas qui c'est qui a fait les nœuds, ils sont bizarres. Oh putain, je viens de me rappeler qu'il y a les phases de plateforme. Oh, comme ça va être rigolo. On est où là? Est-ce qu'il y a un tonneau avec explosif? Ah, attendez, Google s'est activé. Mais coupe-le. Ouais. Raconte-moi une blague. Une blague? C'est parti. Pourquoi les pêcheurs ne sont pas gros? Parce qu'ils surveillent leur ligne. Badups. Voilà. C'était la blague de Google. Merci. Bah, tu peux regarder sur la map où vous êtes. J'ai pas dit que c'était ta faute. Oui, mais on est en train de se rapprocher là. T'approches du bord, t'es en Y7. Là, bien... Non, t'es en Y10. Donc t'as un meilleur que droit devant, c'est la sortie de la map. Oui, oui. Oui, oui. Bah, tout droit alors. Là, t'es en train d'aller vers le Z. En direction du 9. Nord-nord-ouest. Comment boutons. Tu sais vers où il faut aller en fait? J'ai l'impression de jouer de la, à la VR. Bah s'il faut aller toujours au nord. Nord-nord-ouest. Toujours au nord, mais comment tu sais? C'était écrit où? Bah sur la carte. Je vois un bouquet qui donne. Où est-ce que c'est écrit sur la carte? Sur la carte c'est écrit Shroud of Gold. Et on doit aller... La carte Shroud d'avant? Of Gold, mais tu vois ça où? Ah ouais. Je comprends rien. Ah, faut que tu dézoomes et regarde, c'est marqué. Ah chaud, oui, là. Ah, on va sortir, mais du coup, on va traverser la mer de sang. Qui c'est? C'est pas un peu difficile. Vas-y, mets au nord maintenant. Tout comme Barbossa, pour retrouver Jack, il a dû se perdre, et bah nous, on doit se perdre pour trouver le Shroud of Gold. Shroud of Gold. Oui, c'est le Shroud of Gold. Mon copain fait des blagues pourries déjà. Les rivages dorés. Bonne nuit les souilles. Ils ont brisé leur tête. Faites beau rêve. Il y a encore un truc qui cuit là, il y a quelqu'un qui a mis une banane ou... Ah non, mais c'était quoi ce bruit de crépitement? Ah. Non. Ah, il y avait les supplies à droite. Dommage. Non, pas besoin. Comment vas-tu, Kuliana? Salut, Castro. Comment ça va? Tum, tum, tum. Je vois un truc en face. Ah bon? Ouais. Il y a l'île de Wind Waker, toute pétée. Ça y est. Ça Ouh, y la est. Musique a changé. La mer de sang est là. Ça va péter! Ouais. Droit vers l'île! Non, ils veulent pas venir. Non, ils veulent pas. Et pourquoi faut que j'aille au gouvernail? Ah, pardon. Faut qu'on soit tous ensemble et qu'on tienne fort. Ok. Je peux danser quand même ou pas? Bah oui, bien sûr, il faut danser. Wouah! C'est tout rouge! Mais normalement, on est censé avoir le bateau qui se pète. Ah, mais on l'a pas grâce au Shroudbreaker, c'est ça? Voilà. Regardez, il s'illumine. Et le Shroudbreaker nous protège de la mer de sang.
Putain, c'est dommage, je l'ai pas, moi, le reste bleu. De quoi qui reste bleu? Est-ce que c'est du vin, du coup? La mer. Eh, on se bourre la gueule? Par contre, on pourrait quand même peut-être mettre les voiles, hein. C'est bien, c'est sympa, le... la mer de sang. Mais... Quoi, elles sont mises, les voiles? Non. Ah, dans le bon sens. Tu es dans le bon sens. Oui, parce que on a le vent dans le dos. On a le vent dans le dos. Ah, c'est pour prendre le temps de profiter. Moi j'aime pas, ça me fait peur. Un peu plus à gauche, non? Ouais, t'inquiète, on est à l'île. Attendez, on doit y avoir une belle vue de là-haut. Elle est cool l'ambiance là. On se bourre la gueule, j'aime ça. J'aime cette mentalité. C'est regardez. Regardez le vent. Waouh, qu'est-ce qui se passe? On a la pointe qui brille. Chérie, il y a la pointe qui brille. Téléphone maison. Mais ça me paraît pas très doré pour l'instant comme rivage, Captain. Vu du dessus, c'est très enfumé, hein. Qui c'est qui fume une chicha? Il y a encore des hippies qui ont fait cramer des encens, c'est quoi le délire? Ils sont partout. Attends, mais du coup... Des babos. Ah, je crois qu'on voit l'île. Et je crois que ça redevient bleu. Oui, non, mais la mer, elle devient pas rouge. Non, peut-être pas. Oh, Shore of Gold. Oui. Ça y est, c'est la fin de One Piece, c'est bon. Ça fait bientôt un an qu'on a commencé cette quête. Même pas. 6 mois. Non, elle a commencé au mois de mai. Ah bah, bientôt un an. Mais l'eau est devenue normale, là, ça y est. Oui. Allez, ça y est, on sort, là. Oh, la musique est classe. Ah bah là... Je suis à tribord. Ouais, oh, le rocher. Tout droit. Non, mais là, tu fonces dedans. Ah bah, je sais, bah, je vois pas, parce que désolé, je vois rien. Bah, dis-le avant. Oui, bah au moment où vous avez dit le rocher, c'était trop tard, on pouvait pas faire grand chose de plus. Mais dis-le avant que tu vois rien. Je suis parti réparer. Bah, mais oui, je peux pas savoir que je vois rien si je le vois pas. Parce que pour moi, en fait, on est arrivé sur le rivage. Ah, ça y est. Bah, c'est pas très lumineux comme rivage, hein. Moi, je suis déçu. Parce que c'est la nuit. Faudrait peut-être remonter les voiles quand même. Ouais, ouais, c'était ça. Non, non. Faut tirer l'ancre même, hein, parce que là... Trop tard. Il suffit de tirer l'ancre. Allez, on est à moitié... Au moins, on est arrivé. On est bien arrivé. Tu parles d'une arrivée pour les Shore of Gold, putain. On était pressés, c'est pour ça. Oh putain, c'est vrai qu'ici, la map, faut la faire soi-même. Ah, quoi que. Il y a une map dans le livre. Ouais, je sais, mais oui, mais tu veux pas savoir par où t'es arrivé, en fait. Bah si, t'arrives forcément pour le sud, en fait. Mais on est à côté de la sortie, c'est ça qui est bien. Spoiler. Ok, donc faut mettre pied sur l'île. Ah bah là, on est parti. Tout est ok, on a rangé les voiles et tout est ok. Et du coup, bah maintenant... Est-ce qu'il faut qu'on remonte l'ancre? Non, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est que ces rivages chelous, là? Maintenant, c'est quel deity qui dirige, hein, parce que... Non mais moi, je veux la journée, là, j'en ai marre de la nuit. D'ailleurs, c'est un peu trop clair pour promotion obtenue, l'île mythique. C'est normal, c'est très lumineux ici. Alors, une cache boussole, il y a 3 pointes, 4 pointes, 5 pointes. On est au sud là. On est au sud, tu penses? Il y a le gros rocher là, je pense qu'on est... De toute façon, on est arrivé forcément par le sud. Attends, fais voir. Donc, le gros rocher, c'est le truc tout en bas là. Mon navire, est-ce que tu vois un navire sur la côte là? Attends, parce que déjà, quoi qu'il arrive. On a des squelettes bizarres. Moi j'ai trouvé. Oh, c'est joli là! Classe! Là. Ok, le navire il est là. Et donc c'est bien ce que j'ai dit, on est ici. Il faut qu'on aille chercher cache boussole, c'est ça? Pourquoi ils mettent à l'ouest le navire du coup? J'ai trouvé un livre. Mon navire, ok, pour l'interrogation. Attends.
Donc, explorer les caches. Je comprends à présent, l'île représente une gigantesque boussole. À chaque colonne rocheuse correspond une direction et une cache secrète. Ces quatre points détiennent les éléments manquants de la chambre centrale. Elles sont protégées, évidemment, voilà où j'en suis. Cache du sud, près de là où j'ai laissé mon sloop. La cache semble amochée. Heureusement, j'ai fait les dessins dans mon journal. Ah, donc le sud, c'est là où on est. On la voit, là. Il y a peut-être une espèce de petit dessin d'avion ou de requin, je sais pas ce que c'est, là. C'est sûrement un avion. Avec un aileron. C'est sûrement un avion. Je vois pas pourquoi il y aura un requin de dessiner ouais, ouais. dans ce quoi. C'est forcément un avion. Il y a un livre dans l'épave, là, si vous... Ah, tu veux qu'on aille voir le livre? Attends, je reviens avec toi pour voir le livre. Par contre, vous allez voir tous les squelettes. On va te voir si t'as envie de trouver tous les livres ou pas. Il est où, le livre? Bah, en fait, j'ai jamais fait, donc je m'en bats un peu les couilles. Mais... Oh, c'est quoi cette tronche, là? Oui. Bah, en fait, ouais, il se cache. Tous les squelettes ici sont stylisés, c'est des squelettes spéciaux. C'est des squelettes sans crâne, je suis déçu. Il est au-dessus, il est là-haut, j'allais le lire. Voilà, dans la cabine. Ah. Yes. Bla, 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 et voilà, c'est fini. Ouais, c'est encore un putain de bouquin de Briggsy, quoi. Du coup, on fait quoi, monsieur? Bah, on va à la cage du sud. Allez. J'aime pas ce silence à chaque fois. Non, on vous suit. Pourquoi il y a 7? Ah non, c'est le nom de la page. C'est vraiment si vous êtes trop con qu'on vous dira non. Donc si on est un tout petit peu con, ça passe. Alors par contre, attention, elle a quand même marqué, elles sont protégées, bien évidemment, donc va falloir faire gaffe. Hein. Oh mais c'est quoi ces squelettes chelous? Pourquoi ils ont... Ah mais ils ont un sac sur la tête. Oui, c'est bien ce que je dis, ils sont nuls, ceux-là. Tous les squelettes sont stylés ici. Ah, c'est l'avion! Non, je suis désolé, c'est un avion. Rassurez-moi, il n'y a pas que moi qui vois un avion. Bah, le jour se lève. On a tout. Bah, à la cache. À la cache. Au bord de la plage. Venez sur la plage. Oh, c'est joli! Oh, c'est beau. Ok, moi je suis parti à droite. Oh non, c'est pour ça de la montagne. On va encore se faire emprisonner le cul là! Ah, d'accord, effectivement. Alors, est-ce qu'il serait pas bon de lire avant d'activer tout? Si. Tout à fait! Tout à fait le faisant. Parce qu'attends, elle a marqué 3 icônes. Donc vous avez vu, ils ont mis 30 secondes à devenir trop cons. Arrêtez d'allumer! Ah, je les allume tous sauf un. Alors attendez, faut faire pivoter là, bloc. Mais, ah oui, mais pas Bah, donc attendez, il y a 4 symboles là par truc, mais il y a 4 colonnes, ça va pas. C'est pas logique. Mais attends, mais c'est tout cache du sud, près de là où j'ai laissé mon souple, la cache semble amochée. Heureusement, j'ai fait des dessins dans mon journal. Alors attendez, cache de l'est. Il va falloir mettre d'abord tous les symboles de gauche, puis tous les symboles du milieu, puis tous les symboles de droite. Oui, non, mais attends, il dit que c'est abîmé, donc attends, on a 3 colonnes. Mais comment c'est du coup, quels sont les. Mais quand on va allumer, ils vont apparaître les dessins sur les colonnes. Tu penses? Mais oui. Non. Non, je suis des merdes, ça à l'aveugle. Non, mais justement, parce que j'essayais de comprendre, en fait, s'il fallait qu'on trouve un moyen de le faire apparaître ou pas. Ça fait 4 puissance 4 solutions. 7 y part. La clé, c'est bon, Ouya. Faut le kraken. Ah, il y a un truc comme ça aussi, c'est bon. Ouais. Le bison, c'est fait. Pourquoi les autres... Un ours. Le kraken, ok. Pourquoi celui-là, il y a rien? Il est pété! Donc c'est que c'est pas la bonne combinaison! Bah attends, pourquoi j'ai. Ah, mais le dernier, c'est ce qu'on a, non? Selon notre famille. Ah, tais-toi, Google! Si c'est bon, j'ai le dernier là! Mais y'en a un qu'on peut pas faire tourner là! Toc, toc, toc! Et celui-ci. Et comment ça, t'as le dernier, Iti? On avait déjà. Enfin, ils étaient déjà faits avant que tu dises t'as le dernier, je comprends pas. Non, mais le. Je vais chercher à avoir le dernier signe en fait. Mais Allô? Oh, c'était normal ça? Bah je crois bien. Qu'il soit pété? Dans ce cas là, c'est qu'il faut pas commencer par celui-là. Testons celui du milieu. Le bateau, la femme, le serpent. Allez. Attends! Le serpent. Ah! Change! Remets le premier. Pas puni, okay. Quel bouton? Voilà. Bah sur ici, il y a un bouton. Ah okay. Allez, le deuxième. Serpent, femme, oiseau, là. Attends, là, il y a la double femme. Voilà, double femme, c'est bon. Ça, on l'a. Sirène, oiseau, bateau.
Moi j'ai le bateau de gauche. Pourquoi je dis la double femme? C'est carrément une sirène. Pourquoi je dis double femme? Sirène. Aigle, serpent. Il y en a plus sur le bouton. Mais non, attends, la sirène elle est déjà mise à gauche. À droite, faut que ce soit un autre truc. Hein. Parce qu'à droite, c'est le serpent qu'il faut mettre. C'est pas à gauche qu'il y avait le serpent? Si c'est bon, le serpent est là. Non, ça a changé. Là, c'est bon, non? Ouais. Voilà. Ouais. Allez, troisième. Scarabée, tortue, tortue, guerrier, kraken. J'ai un scarabée. J'ai la tortue là. J'ai une tortue. Ah. Tortue, donc je déplace. Scarabée, c'est bon. Non. Tortue. Non, mais je suis obligé de mettre tortue, j'ai pas les autres. Bah, j'ai pas moi l'autre. Alors, dans ce cas-là, celui-là, c'est pas scarabée. Non, pourquoi tu l'as tourné? Parce que c'était pas celui-là. Non, c'est le premier avec la tortue, je pense qu'il est pas bon. Parce que là, il y a un scarabée. Bah attends, j'ai quoi d'autre? Il y a pas le guerrier. Où est-ce qu'il est le guerrier? Mais il est peut-être sur le dernier. Kraken, bah, okay. Mais le Kraken là. Mais c'est t'as le Kraken, il dit, mais t'as t'as fumé. Il est où Kraken? Ah bah il est là. Pardon. Allez. J'ai un médaillon. Mais oh, mais d'où il prend un autre place ce gros bâtard là? Pose ça. Terrible. Toi tu l'as déjà fait toi. Cache de l'Est. Ah, j'ai le droit de prendre le médaillon. Qu'est-ce que j'en fais? Allez, bah ensuite. Tenez. Cache de l'Est. Cache de l'Est. C'est le guerrier. Attends, le guerrier, il est à l'extérieur. On va aller au bateau alors, parce que c'est plus proche. On va aller à celle de l'Ouest. Je fais quoi du médaillon? Bah tu le poses dans le bateau. Mais faut pas les faire dans l'ordre. Non, tu le gardes sur toi. T'as qu'à pas le prendre. Au pire, on le pose sur la pierre. On s'en fout de les faire dans l'ordre. T'es sûr? Mais oui. Ah ouais, non, mais attends, la cage de l'Est, apparemment, elle est chaud à trouver. On va aller à la cage de l'Est, t'as raison. Vous êtes parti où, les... Allô ? Sur la plage. D'accord. Cage de l'Est, elle est sur la petite île à droite, du coup. Elle est bizarre, l'eau. Et franchement, les Shore of Gold, ils me paraissent pas si goldés que ça, hein. T'as vu comme il fait beau, c'est tout doré. Mais l'eau elle est pas toute bleue et tout, moi je veux dire les Shore of Plenty me vendent plus du rêve. Hein. Elle est toute bleue l'eau. Moi les Shore of Plenty me vendent plus du rêve visuellement, je suis désolé. Moi je m'attendais à des petits rivages bleus. Ce serait une poignée de main virile même pour toi. Salut Myrialune. Avec Salut Warred. Avec des cocktails et tout. Qui j'ai raté. Qui est un dieu jeu vidéo, c'est pas moi. C'est bien trop facile pour une aventurière comme moi, j'ai dû m'en aller quand j'ai vu ces larbins là approcher. Qui c'est qui les larbins là? Facile pour une aventurière. Ah ah, il y a une petite zigmu. On doit approcher. Soirée dans Oblivion. Y'a quoi ici? Pourquoi y'a ça? On dirait qu'il y a une dalle. Oui, t'es. Que faire? Comment activer cette dalle? Ah, mais y'a des trucs là. Mais il est cassé. Faudrait pas que j'aille poser ma pierre quelque part, moi? Bah, je sais pas à quel format là, j'ai même sûrement, pas vu. Sûrement dans la dalle. Bah, elle est où? Elle est là où je suis. Au tout début de l'île, là, par laquelle, le côté par laquelle on est arrivé quasiment. Côté ouest de l'île. Non, y'a rien proposé. Bah attends. Y'a un brasero là. Non, ah, la musique un peu mystérieuse comme ça, Darkness m'a fait penser à Oblivion, c'est tout. Quand j'ai vu, c'est larbin approché. On fait quoi? Mais je sais pas! Attends, y'a un kraken. Attends, cette île appartenait visiblement aux anciens. J'ai trouvé une salle en suivant un chemin descendant du pic central de l'île. Elle contient une énorme sculpture, mais il manque des sortes de médaillons. Mais est-ce qu'on peut pas déposer médaillons directement dedans pour accéder à la suite? Ah, c'est peut-être ça. Est-ce qu'il faudrait pas les déposer médaillons dans la truc boussole, là où il a dit qu'il avait justement. Attends, on va devoir faire des allers-retours de bâtard. C'est chiant. Bienvenue dans les chambres. À peine chiant. Alors attends, cette île appartenait visiblement. J'ai trouvé une salle en suivant un chemin descendant du pic central de l'île. Donc c'est du pic central.
Le pic central, c'est le gros machin là, on est d'accord. Donc De toute façon, si on regarde la carte... Ouais. Vous l'avez fait un chemin. Bah j'essaie de rester concentré, sinon je vais me faire engueuler. Vous l'aviez fait à 4, vous, Jack? Ouais. Ah ouais, nous l'avait fait à 2, c'était long. le chemin là, descendant. Le chemin mais il a dit qu'il descend, pas qu'il monte. Oui, mais vers le pic, faut aller au pic. Bah, qui descend du pic. C'est bizarre comme formulation. En tout cas, il est grand ce pic, hein, effectivement. C'est un roc, c'est un cap. Que dis-je, un cap? C'est une épée, hein, si... Oh, a piggy! Waouh! Elle est très jolie cette île, j'aime bien. Franchement, on dirait l'Ardèche, quoi. Un cochon. Attends, mais touche pas, toi! Va falloir qu'on se retape le trajet à chaque fois. Et là, y'a un truc! Attention, y'a. Je me sens pas bien, y'a un truc qui m'a touché. C'est bon! Et en fait, faut venir ici pour activer la deuxième phase. Si je monte sur le bouton, ça fait sortir un truc en face là-bas. Wouah! Est-ce qu'on voulait pas aller déposer le médaillon? Oui, oui, on va d'abord déposer le médaillon, comme ça après. Mais on sera débarrassé. Tu ne peux pas faire seul, c'est ça le délire. Oui. C'est un peu pute ça. Il y a des caisses là, il y a un livre. C'est bien. Non, mais on s'en bat les couilles, on a lu aucun des autres. C'est faux, parce qu'à chaque fois qu'on a joué avec Jack, on les a regardés. Hop là, c'est fait. Ça prend 2 secondes. Ta tarte devait être délicieuse. Attends, ce que là, ça mène où, cette histoire? Parce que tout ce qu'on a fait, c'est ça. Ah, si, ça bon, ça continue. Ah! Voilà. J'arrivais pas à bien placer mon clavier. J'aime bien tous ces petits chemins. Pourquoi il y a une grotte là par là? Vous êtes passé où? Mais. J'ai loupé un truc, hein. Mais what the. What the fuck? On a loupé quelque chose. Bon, bah zut alors. Oh là là, je suis perdu. Je vais m'arrêter là en attendant mes compagnons. Mais. Bah on sait... Vous êtes parti où? Mais je suis là, moi. On a suivi le chemin, c'est tout droit. Là pour le coup, les gars, c'est tout droit. Oui, non, mais je regardais la grotte, je suis parti sur la grotte sur le côté à droite. Mais ça mène à un cul-sac. Oui, je te l'ai pas dit, mais c'est juste une grotte, y'a rien. D'accord. Mais ça va, sur le bon chemin? Oui, oui, toi t'es sur le bon chemin. Bah, je suis pas fou quand même. Pour une fois, c'est bon, je l'ai. Oh, c'est beau. Voilà, c'est bien. C'est bien, E.T., je vais chercher les autres. Ah, mais il descend. Y'a une clé. C'est Jack qui m'a induit en erreur, c'est pas ma faute. Y'a un bouquin. Non. C'est toi qui m'a dit que c'est un cul-de-sac. Bah en même temps t'es censé connaître, tu l'as déjà fait toi hein. Ah non, nous on ne sait rien. Ah non, moi je ne sais rien. Moi je trouve des livres. Il est où le livre? Il y en a un là. Encore une fois, là ne veut rien dire. Oui mais là où je suis. Ça ne veut rien dire non plus. Ça veut rien dire aussi. Bah si, parce que je vous dis que je t'arrive au médaillon. Enfin au truc pour les médaillons. Donc Mais si on te voit pas. Bah vous avez qu'à me rejoindre là où je suis. Mais t'es comme le chat de Schrödinger, tout ça, on peut pas savoir tant qu'on t'a pas vu. Hop là, le livre est à droite. Allez, pose-moi ça, toi. Et le médaillon du requin a été posé. Yes, indeed, indeed. Et donc, on peut revenir jusqu'à la dalle. Allez, on fait demi-tour. Putain, ça va être long. Oui, ils avaient prévenu que ça allait être long. Salut Rémi, comment ça va? Attends, parce que ça va être méga long, parce que Jack, pour une quête rapide, ça nous a pris 3 heures. Non, mais c'est parce qu'on était nuls. Donc, ah oui, mais c'est parce que la traduction était foireuse. Merde, je suis venu dans la grotte. Et il y a une autre chose qui est importante, c'est que finalement, là, on peut pas aller se battre à d'autres zones. On a juste une seule île à explorer, donc il n'y a pas toute la mer entière pour se perdre. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de se déplacer. Ça, voilà, c'est... donc il n'y aura pas le Kraken, il n'y aura pas le Mégalodon, il n'y aura pas... Au pire, on va tomber sur un... Je veux faire la cage de l'Ouest. De quoi? Pourquoi? Je veux faire la cage de l'Ouest. Pourquoi? Parce que c'est la plus proche d'ici. Mais non, ah, moi je t'ai reparti à l'autre. Juste là, il y avait le machin avec la dalle. Pourquoi tu me montres le bouquin? Non, c'est mauvais, je m'embrouille dans mes trucs. Bah la cage de l'Ouest est la plus proche. Alors là où on est nous maintenant, c'est l'Est hein. Moi je suis devant le bateau à nouveau donc. Non, on est à l'Est. Je suis sur la plaque qui fait sortir le truc. On est retourné là où on a le chemin jusqu'à la plaque qui fait des trucs bizarres. Voilà, c'est bon. T'es dessus? Allez, j'y vais.
Je vais prendre le raccourci. Il va mourir. Paf, il meurt sur le trajet, il réapparaît sur l'île normale. Bah... Du coup, vous arrêterez de vous plaindre parce que c'est long. Mais moi, j'ai rien dit. Et je me plains si je veux d'abord. T'as un tueur de cochon, je vais juste donner une petite entaille. C'était pour voir s'il était tendre, tout ça, tout ça. À un moment, elle a fait des gâteaux. Oh, c'est une tortue qui est dessinée dessus. Je sais pas à quoi ça sert. Voilà, on a une magnifique tortue maintenant. On est heureux. Yes. Yes. Non mais... c'est pas la bonne île. On parle pas la bouche pleine. Mais c'est pas la bonne île en fait. Ah si. Bon. Ah oui, c'est celle qui est plus loin. Bah ouais. Putain, mais ouais. Mais carrément, mais on s'en fout de cette tortue de ses morts alors du coup. À quoi ça sert? Parce que là où t'es, y'a quand même le point d'interrogation écrit sur la carte. Peut-être pour la suite. Ouais, ouais. Ouais. Du coup, c'est l'île qui est là-bas? Non, j'ai rien à bouffer. C'est ça le délire? Je suis là-bas. Mais je sens que je vais mourir parce que j'ai pas de vie. Et je m'attends terriblement à me prendre un coup. Puisqu'elle a dit « Y'aura là le copain !» Ouh, ça rame. Ou ça lag, je sais pas. Ouais, ça, c'est un peu gourmand. Putain, mais dis comment il a cavalé là-bas, quoi. Il y a deux secondes, il était là-bas. Eh, hey, pour une fois que je suis... Encore moins dire quelque chose que tout ce qui a été dit. Je parle, et là je ne vous parlais pas à vous, mais à mes viewers qui voient ce que je vois. Donc tais-toi. Allez, bouge. Alors attends. Donc il y a une salle comme la précédente, sauf que là, cette fois-ci, il n'y a rien de marqué sur les bords. Il y a des boutons et des machins à allumer. Exactement comme la salle précédente. Et il y a quoi? Marque de guerrier à l'entrée. Mais oui, non, mais c'est bon, ça veut dire qu'on est au bon endroit. Donc ça fait tortue, guerrier, kraken. Alors attends, est-ce qu'on a d'autres choses? Avion et bateau. Voilà. J'ai dû m'en aller quand j'ai vu ces larbins approcher. Voilà, c'est eux les larbins. Tomb Raider. Oh, c'est reparti. Attends, parce que là, du coup, on a aucun symbole. Oui, on a aucun symbole, mais elle a dit quand j'ai vu ces guerriers apparaître. Il va y avoir un truc à trouver. Alors, si je me souviens bien, faut allumer, c'est ça? Oui, vas-y, allume, on s'en fout. Non, pas tout de suite, mais non, on sait même pas ce qu'il faut mettre. Non, mais il n'y a pas de truc qu'il faut mettre, et de toute façon, tous les trucs sont recouverts, il y a une sorte de boue dessus. Bah, j'allume ou j'allume pas? Vas-y, allume. Si, si, allume, au pire, on meurt, et puis on meurt. Au pire, on mourra, hein, qu'est-ce que je te dise. Voilà. Et on retiendra que c'était l'idée d'Iti. Hein. Donc, il y a des signes. Les signes. Faut faire un puzzle? Ça y est, j'ai les signes, je crois. Je vais pas la révision ici, je crois. Ils sont sur la page 17 et 18, non, c'est pas ça? Ah. Ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. Attends, à moins que... J'en ai un, là. Qui correspond. Ah bon? Ouais, celui de... d'en bas à gauche. Ah, ça y est, je me souviens, il est horrible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je comprends rien. C'est bon, moi le mien il est bon. Je vous donne un indice sur la page, le mien il est bon. C'est lequel le tien? C'est celui de gauche, c'est ta gauche. C'est un point. Ensuite ce serait deux. Attends. Par exemple, ça c'est pas mal ici. Attends, est-ce que j'essaie de voir les différents signes sur les différentes pages? J'ai rien habité. Et celui du fond, je l'avais mis et ça ressemblait à un autre truc, mais... Putain, j'ai plus de vie si je récupère pas un petit peu. Mais... tu veux pas partager ce que t'as compris, ou... Ouais, sur la dernière page, là, y'a un truc, mais je suis pas sûr que ce soit ça. J'ai eu des rires. Ça a aucun rapport, hein, les dernières pages, là, de ce que je... Bah, c'est pas sur les dernières pages. Ah bah, d'accord. Bah, regarde mon symbole, regarde le symbole qui t'y a mis où j'ai dit c'est plutôt pas mal. Bah, je vois pas. Attends. Il y a un truc dans le bouquin qui ressemble, il y a aussi un truc qui est dans la pièce et qui ressemble. Il y a un truc qui est dans la pièce et dans le bouquin. Regarde si bah, je vois pas. Attends. Toc, toc, toc. Je ne vois pas. La clé, oui, ok, la clé. Ah, faut faire la clé, c'est ça? Oui. Hein? Putain, d'accord, ok. Donc toc, toc, ouais, et c'est bon, on a le dernier. Juste que j'avais pas compris qu'il fallait faire la clé avec ça. C'est bon du coup.
C'est bon. Oh, il n'y a qu'une seule étape. Médaillon. Retour à la case départ. Pourquoi on voit un mec... J'ai découvert un soupe échoué avec le bon angle, je pourrais atteindre le trône. Ah ah. Ça sera pour plus tard, ça. Mais du coup, pourquoi c'était sur la page là, alors que ça n'a rien à voir... C'est pas sur la page où il y a le... On va où? On va reposer la clé. Ouais, bref. Oui. C'est trop bon, les gâteaux. C'est tiré par les cheveux. Bah non, justement, c'est le principe. C'est une énigme, hein, c'est pour moi. Pour finir le jeu, faites ça, ça, ça et ça. Bravo. Vous avez réussi à suivre 4 étapes. Vous êtes où, les amis? On est parti au nord. Au nord? Pourquoi au nord? Moi, j'ai aucune idée de la direction que j'ai pris, mais je suis parti pour ramener le truc. Bah oui, moi aussi, mais c'est pour ça que je comprends pas par où vous êtes partis. On s'attend tous avant le pont pour traverser. Ah là, chacun se débrouille comme il veut, mais on a... Comment on a fait pour aller tous au même endroit, mais ça passait pas? Je comprends rien. C'est pas grave. Bah, y'a un moment, on va forcément se croiser. Mais... Y'a pas de rivage sur le... Sur l'île avec la machine, là? Là... Toujours aussi bien tes explications, Etty, hein. Oui, mais je cherche même l'île avec le truc à poser les médaillons. Non, t'as faire que je fasse le tour, du coup. Ah non, y'a pas de rivage, non, tu peux passer que par en haut. Ok, donc il faut que je rejoigne. Si elle est à la nage, c'est dommage. Y'a une échelle sur le côté. Ah ouais? Bah... C'est dingue, ça. Fait nuit, Captain, j'aime pas, on voit moins bien la nuit. Y'a une échelle sur le côté, donc faut que je te suive, Jack. Normalement, je me plante pas, y'a une échelle sur le côté. Bah j'espère pour toi, parce que je suis seul avec le médaillon, donc... Ces mots qui rassurent, normalement, si je me trompe pas... Je suis seul avec le médaillon. Ah, et je l'ai fait, c'était au mois d'avril l'année dernière. Et bah alors? C'est les Pepros, comment vas-tu? Après il a peut-être raison, hein. Moi j'ai juste pas souvenir d'échelle, mais... Oui, y'a l'échelle. Ah oui, si, y'a un petit ponton. Enfin, moi je suis passé par là où on était passé. En multi raison. Yeah, French, welcome here. Benixel. Yeah, yeah. En même temps, faut pas s'étonner que ça soit français alors que le titre du stream est écrit en français, quoi. Non, mais surtout qu'il y a marqué FR dans le stream. Donc, à un moment, bon. Are you Spanish? Ça pourrait être finlandais. Ça y est, je suis là, oui, j'arrive. Oui. En quoi FR ça pourrait être finlandais? Faut que tu m'expliques quand même. Je sais pas. J'ai pas dit c'était logique. Je peux pas m'empêcher de sauter dans les jeux. C'est parce qu'il sait pas écrire et du coup il écrit finlandais avec ER. Y'a des poules! Bon, moi je suis arrivé là où il y a le médaillon, les gonzes. C'est bon, on arrive. Il est plus très loin. J'essaie de rester concentré, Pepros, de participer à la quête. Où c'est qu'elle est, cette putain d'échelle de mort? Allez. Le coup de Cherkill, comment vas-tu? Coucou. On attend Dark. On fait un battle de dance. Oh, posez-la, m'attendez pas, j'ai dit on se rejoint au pont. Pouah. Toc. Allez. La suivante. On va à l'ouest, du coup? Oui. C'est par où? Mais attends, le plus près, c'est pas le Kraken? Ah non, le plus près, c'est l'ouest, là. Mais le Kraken, c'est juste au-dessus de nous. C'est bien, bien au-dessus, le Kraken. Non? Non, mais attends, faut qu'on aille au bateau. Le bateau, il est à côté du navire, limite. Du début. Bah, oui, bah du coup, il est pas très loin. Non? J'ai fumé. Attends, on est à la cage boussole. Ouais, le Kraken, il est pas loin non plus. On est à la allez, on se rejoint à l'ouest. Moi, je suis parti pour l'ouest. Hein. L'ouest? Mais l'ouest, c'est vache. L'ouest, allez. Elle est magnifique, cette vallée avec les statues. Elle est... Traversez-la pour aller à l'ouest. Je sais pas si c'est vraiment sur votre chemin. Où est-ce qu'il y a une vallée avec des statues? Mais je vous la conseille. Ah, c'est le machin là-bas, là? Oh putain, oui! Comment ça, plus que 3? Plus que 2, des médaillons. Mais c'est gigantesque! Et tu vas kiffer! De quoi?
Allez, check sur ta gauche. Ah ouais, joli. Check dans ça, mon cœur. Check dans ça. J'ai plus de vie. Et comment t'as fait? On aura tout le temps d'y aller au pire. Bah le truc c'est que c'est tout. Moi où j'étais c'était tout droit pour aller jusqu'à l'ouest hein. Oui mais nous on n'est pas passé par là. Barban. Parce que vous êtes déjà à l'ouest? Oui. Ah ah. Je passe sous une petite arche. Ah y'a que des trucs pour l'entrée est à gauche ou à droite du. Ah oui, c'est plaisant, c'est joli, j'aime bien. J'en veux plus. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah c'est super joli. C'est où je suis? Ouais. Voilà. Bah, je vous vois pas. On est au sanctuaire de l'ouest. Bah, allez! Je vous vois pas. Là dedans? Bah, on est. Bah, j'ai traversé la. On a traversé la petite arche. Mais attends, c'est où ici? C'est le point d'interrogation ou c'est le bateau sur le côté gauche? Ah ouais, non, vous êtes complètement au point d'interrogation, vous êtes pas du tout à l'ouest. Bah ouais, mais c'est ce que je disais depuis le début, le Kraken était beaucoup plus près. Vous avez passé l'arche, vous êtes gouré, vous êtes monté au point d'interrogation et pas à l'ouest. Mais c'est quoi le point d'interrogation? C'est intéressant aussi si c'est un point d'interrogation. Oui, mais c'est pour peut-être pour plus tard, parce que tous les points d'interrogation qu'on a vus sont pour plus tard. Enfin, ils marchaient pas, ça faisait des dalles ou des machins. Il y a un livre ici. Il y a un livre? Oh là là! Non, mais il était bien planqué celui-là. Ah, de la bouffe, enfin. Des boulets de canon qui me serviront pas. De la bouffe, je la bouffe. Je sais même la plus à quoi il sert cet endroit, je crois qu'il est même pas obligatoire. Du coup, c'est par où qu'il faut aller hein? Quel point d'interrogation? Ah, mais on est encore bien. Bah non! Oh, attends, il faut que je trouve l'épave du bateau, ce serait plus simple. Là, on j'ai. Est où, du coup vous êtes au point d'interrogation qui est au-dessus des statues. À l'ouest. Ouais, pas logique. Ok. Bah, vous avez traversé l'eau, vous avez atterri là où il y avait le point d'interrogation en fait. On est sorti du cache boussole. Bah, du coup, je voyais pas du tout les statues. Enfin, j'étais complètement gouré dans. Bah oui, mais c'est pour ça. Je disais qu'il y avait le Kraken qui était juste au-dessus au nord-est. Ah, mais donc, dans tous les cas, il fallait quand même qu'on passe par les statues. Donc, on est bien sûr. Bah, j'ai suivi les statues, moi, de mon côté. J'ai mal vu la carte. Nouvelle salle. Elles sont stylées quand même, hein, faut le dire. Oui, je suis bien d'accord. Toc, toc. Alors, attends. Cache de l'ouest. En haut, en bas, partout, les anciens ont caché les secrets sur l'île. Il est temps d'explorer. Arrête, non! Il a raison. Oh non. Faut faire les points d'interrogation, en fait, pour arriver à la salle de l'ouest. On avait la tortue. Oui, c'est celle-là où faut trouver les trucs, tortue, machin. Restez où vous êtes, du coup, Cal et. Putain, du coup, on a pas regardé, c'était quoi? J'y retourne. Attends, du coup, attendez. Attendez. La carte, on a quoi? La carte, on a un point d'interrogation au navire. Dark, tu viens avec moi au navire? Ils ont besoin d'être deux. Donc, Ah, punaise, je me fais encore tirer dessus, fais schtroumpf. Notre navire est où? Il est par là-bas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce symbole? Ça n'a rien à voir. Oula, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc on a vu tortue. Alors moi j'ai un truc, je sais pas ce que c'est. Hein. Attendez, il faut que je trouve la dalle. Qu'est-ce que c'est que ce... Mais c'est pas du tout un des symboles, ça. C'est une carte, on dirait. Et the fuck? Alors, au nord-ouest de... Du truc, alors nord-ouest... Il y en avait un près de l'épave en bas. Nord-ouest, ah ouais. Oui, non, mais justement, faut que je trouve l'endroit où il faut appuyer. Attends, ça peut pas être si loin. Si, de l'épave. Ah non, la voile, c'est pas le Kraken, hein. Je sais pas ce que c'est, ce symbole. J'ai l'impression que c'est une carte, moi, ou. Il est où le point de. Là, c'est l'espèce de temple, il est juste à côté. C'est le temple qu'il faut, c'est tout? Y a pas besoin de dalle? Y a peut-être un autre truc à activer. Quoi? Oui, il y a une dalle ici. Va voir du coup. Moi, j'ai un requin. Jack? Ah oui, tu veux juste d'activer? Chercher une dalle, moi. Ah, et... non, c'est quoi ça? Ah, un oui, oiseau. Levier déplacé. Y a quoi de ton côté sur la tienne? On a donc un requin. Donc on a tortue requin. Où est-ce qu'il est, mon petit? On a le feu. Post-it. Ah mais c'est lequel qu'il faut regarder du coup? Mode réflexion. Ouais, comment ça, mode réflexion? C'est celui qui est entouré, non? Ouais, je pense aussi. Coucou, donc bah, c'est le feu, ouais, effectivement. Il y a un truc en bas aussi. Je sais pas... Ah non, bah oui, ça, c'est... Ah, mais c'est la carte de l'endroit où on était, du coup. Putain, c'est tellement pas con. Ok, donc c'est le feu. Le feu.
Tortue. Tortue, feu, et vous avez dit quoi d'autre? Requin. Requin, ok, vous avez fait lequel, la suivi du truc échoué? Ouais. Ouais, ouais, je vais aller au dernier. Donc il en reste un tout là-bas, ok. Donc, merde, on était tout proche du coup celui qu'on avait fait. Ça manque de monture dans ce jeu. Le dernier point d'interrogation est quand même vachement haut du coup. Yes, est-ce yes. que ça vaut pas le coup d'aller, d'aller au Kraken juste après si on y est tous là-haut? Il faudra juste retenir ce qu'on a trouvé quoi. Oui mais j'ai noté. Ok. Requin, ouais, feu, tortue. On pourra aller au dernier. De quoi? Oui bah justement on va au dernier comme ça après on est juste à côté du Kraken. Oui. On fait le Kraken, à moins que le Kraken il ait des choses particulières à faire. Hein. Ah il faut peut-être avoir le cache-boussole là où je sais pas attends, quoi. Attends, non, le cache-boussole c'est la fin. Carte du Nord, les cartes, non, les cartes sont identiques mais je dois être prudente. Attends, je suis où moi du coup? Faut que je fasse le tour par l'autre côté peut-être. Quoique si je passe par là, je devrais pouvoir m'en sortir. Coucou, hey Red. Hey mon ami. Bonne nuit Cyril. Je suis pas sûr qu'il faille passer par en haut. Comment ça? Ah quoi que si, oh, ouais si effectivement. Ah non, c'est peut-être par la plage aussi hein. À qui tu parles? À Dark. Je me disais aussi. De quoi? T'es sûr qu'il faut passer par là pour aller au dernier point d'interrogation? Ah oui. Parce que sur la carte, on pourrait croire qu'il est sur la plage aussi. Encore un petit piggy. Un piggy doré en plus de ça. C'est par là. C'est par là. Oh, attendez. Toc. Ah bah tu vois qu'il n'y avait pas besoin de monter, je suis pas fou. Si, parce que bah, où tu peux taper la plage pour aller ici. Là, il y a un truc ici derrière, non? Si, la dalle qui est en face, c'est bon. Trouvé. Aïe. Putain, je suis mort. Non, sérieusement? Mais oui, mais j'ai glissé. Je voulais descendre rapidement et en fait, le truc est de l'autre côté, la dalle, pour appuyer dessus. Ouais. Raté. Pas de vie perdue. J'ai du mal à hey, lire. Hey mon ami! Laurie? Tu aimes les patates? Pot 1, pot 2, pot 3, et bien 14 Willy Wonka 2006. Qu'est-ce que ça bouge? Fallait peut-être rester de l'autre côté. Hein. Il y a une dalle là où je suis tombé moi. Ah là-bas, là-bas! C'est la dalle que je voulais attendre. Il y a un truc qui s'est ouvert dans l'eau là. C'est le Kraken. Kraken. Voilà. C'est bon. Alors du coup, on se pète la tchave. Et on va... J'ai tellement mal dessiné mon Kraken que je suis obligé d'écrire Kraken. Kraken. En dessous. Bon, je vous rejoins. Tortue, feu, requin et Kraken. Ah ça, ça doit être du code parce que ça veut rien dire du tout. D'accord, Red. Ah, je crois que c'est sur moi que ça tire, c'est pour ça que ça fait du bruit. En fait, c'est vrai que ça fait un peu or quand même, la végétation, en termes de couleur. Ouais, effectivement, mais ça fait terne, quoi. Bah en fait, non, ça fait opale. C'est, t'as l'impression que c'est le domaine... T'as l'impression que c'est la sécheresse et que c'est la canicule, mais... Ah non, j'ai l'impression que c'est nacré. C'est le domaine des dieux. Ouais, mais ça fait pas luxurieux. Moi, j'entendais un truc luxurieux, tu vois. Ouais, mais justement, le jeu est luxurieux, avec les palmiers, les machins... Bah le Shore of Plenty il est déjà, c'est vrai hein. Alors que le Shore of Plenty il est plus salut, Max. Doré, un petit peu... Quand je sais pas prononcer la fin de ton pseudo, je dis juste Max, salut à toi. Allez, comment le prononcer? Darkbois. Qui quoi? Les Sims 5 sont multi, mais depuis quand ils ont annoncé les Sims 5? T'es pas tombé sur un de ces faux trailers? Non, ils ont annoncé aujourd'hui les Sims 5. De quoi? Parce qu'ils ont dit qu'ils feraient pas de pseudo Sims 5. Ah si, ils en ont parlé aujourd'hui, c'est sorti aujourd'hui, la site les Sims 5. Non mais vous êtes sûr, parce qu'il y a eu plusieurs faux trailers. Hein. Il y a un mec qui s'est mis à faire des faux trailers. Du coup, faut que je vous rejoigne au Kraken sans tomber trop haut, sinon je vais encore perdre de la vie bêtement. Parce qu'ils avaient dit que les Sims ne devaient pas faire de suite et qu'ils continuera à ajouter du contenu, mais sur la même version. Ah bah, ils ont dit, ouais, bah,
Parce que là, les articles, ils sont sur 20 minutes, e-tech, Gameblog, ou alors tout le monde sait. Non, la web, ça... t'as absolument toutes les références, c'est beau. Il y en a un qui a... Bah, ça me rappelle qu'il y avait une personne justement qui avait posté une vidéo sur Facebook de Sims 5. Et en fait, c'est un gars qui s'amuse à faire des faux trailers. Donc c'est une annonce qui vient de CNN. CNN. Ouais, mais ils ont eu un communiqué de presse du coup ou... Sinon, vous venez les deux autres là ou... Oui, je suis en train de vous rejoindre. Bah, je suis reparti du bateau, moi, comme j'étais mort. Donc là, je retraverse, c'est pour ça. Et Captain Jack, il est où? Bah, je suis dans le. De le truc de l'ouest. Mais on a dit qu'on allait au nord! Ah bon? Ah, j'ai pas suivi. Je pensais qu'on avait récupéré tous les trucs de l'ouest, du coup, qu'on allait à l'ouest. Mais comme le dernier truc à récupérer, il était au nord, on s'est dit on fait celui-là, puis on va au Kraken. Hop là, je suis là. Mais stop! Il y a marqué identique. Au final, si t'es à l'est, si t'es à l'ouest, fais l'ouest, hein, Bonkier. On a pas besoin de 50. Hein. Bon, ok. Allez, on allume! Voilà, tu connais le code, tu peux le rentrer, puis comme ça, on perd moins de temps à ramener le BDM. Ouais. Et là, ils ont dit attention, alors... identique. Ah! Des pics! Waouh! Bah, je me suis tué direct. C'est quoi le code ici? Tu t'es tellement le code, fait avoir. Alors on a le requin, le kraken, le feu et la tortue. Et on est censé savoir comment là Moi fou mort donc. Oui, en même temps j'ai dit attention des pics, t'as absolument pas bougé hein. Non mais j'étais en train de foncer dessus. Ah putain. Ah salut. Je suis avec deux couillons donc hein. Ok, bah je vais devoir essayer de résoudre tout seul. Yes. Non mais. C'est identique, faut juste que tu trouves un truc qui correspond au 4. Ah, c'est pareil encore? Non, mais il y a marqué, tous les trucs, les 4 sont identiques. Ah oui, je l'ai pas du tout. Mais je dois être prudente, donc ça c'était pour les piques. Ouais, j'avais pas lu, parce que bah les couilles au final. Kraken, plume, ça. En fait, faut juste que tu mettes le même sur tous. Ah bon? Oui, bah oui, mais ce que je viens de te dire, ils sont identiques. Non, mais j'avais pas... je pensais que tu voulais dire que c'était identique au truc d'avant. Ah non, bah non, c'est pour ça que je te reprécise. Alors attends, ça va être méga chaud. Sauf que je sais pas parler. Salut Skymoon, comment vas-tu? On va tester la sirène. Le Kraken, c'est juste un poulpe géant. Ça va être long. Médaillon du navire. C'est bon, ouais. T'as médaillon du navire, nickel. Sirène, ça m'a l'air bon. Ouh! Pas loin de mourir, là. Pas jouer avec le feu. C'est bon, t'as réussi à choper le dernier médaillon, du coup, Cald? Non, je crois qu'il y a pas la sirène. Fais chier! J'avais sur 3 mais pas le 4ème. Chier. Le bateau... Je sais pas. Le feu peut-être. Ah le bateau y est aussi, on va tester le bateau. J'ai tellement peur de me faire empaler gros, c'est horrible. Au moins ils ont pas été vicieux, ils ont pas mis de l'eau. Ah ouais, ça plus l'eau ça aurait été putain. Allez on recule. Putain, y'a pas le bateau! Mais Nikoumouk. Le serpent? Ah, mais ça c'est bon ça! Tu claques tous tes sous, c'est pas l'heure. T'as bien dormi du coup? J'ai même pas posé la question en fait. Qui c'est qui claque du bif? Hein? De quoi du bif? Le serpent, c'est bon! Yes! Claquer du bif! En guise, en rien. Putain, c'est pas fini! Oh bordel! Cald il est tout seul. Bah ouais, mais il s'amuse. Yes! Avec les pics qui sortent. Ah j'adore ma vie! Je suis en train de jouer avec des pics en bois, non, il est idiot. Le piaf. Dites-moi que c'est le piaf, comme ça c'est simple à faire. Ça va pas être le piaf. Eh bah non, bien sûr. C'est pas le piaf! Bien évidemment! Putain. Ah, et je suis mort. Putain, non. Ça m'a fait sursauter, gros. Ah, faut qu'on y retourne, du coup. Ah, merde. Bon, bah, je retourne au Kraken. Je suis juste à côté. Très bon petit stress pour Cal. Putain, non, mais voilà, mais j'ai voulu jouer avec le feu, mais quel débile. Donc, tu te rappelles de ce que c'était? À moins que ça change. Ça va changer, ici. Ils sont trop bons, les gâteaux, je vais pas réussir à me retenir.
Ah, fait chier. C'est 14h du coup et j'ai répliqué un somme sur le canapé à 18h. Punaise. Mais ça s'accélère aussi, c'est pour ça, mais quel idiot, quel idiot. Bonjour, pardon. J'aurais pas dû vouloir... Ah, je suis con. Mmh. J'étais tout greedy, comme ils disent. Je vous attends dans le truc du Kraken ou je sens tout seul? Attends, j'arrive. Mmh. Attends, Axel. Ok. Yes, je suis arrivé comme un gros caca. Le navire placé. Wouah. Allez, j'y suis donc, effectivement, je vois les pics. Pourquoi c'est vous qui vous tapez le truc le plus simple et nous le truc le plus chaud? Je vais te voler ton trésor. Ah. Maudit pirate. Wow, wow. Quand vient l'heure, ils sont nos couleurs. C'est bon, on l'a perdu. L'âme de pirate. Jamais ne mourra. Je sais même plus c'était par où qu'on devait passer. De quoi? Mais par où qu'on devait passer, pourquoi? T'es où? Pour le Kraken, il est où déjà? Il est tout en haut à gauche. Tu viens de te faire biter par la grotte là, non? Ah putain, ouais, c'est ça. Quelle grotte? Non, je parlais à Jack. Quoi? Non, Jack, il est en train de me rejoindre. Ah ouais? Tu peux... Comment t'es passé? Oui, ok. Ah, attends, je sais plus par où j'étais passé. Il y a l'échelle. Je suis pas réveillé, moi. Oui, si, c'est ça, voilà. Tac, 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 tac. Jamais ne mourra. Toc, toc, ça ne l'air, même pour le docteur. Magenta, moi, sur ils sont nos couleurs. Re, Isa. Re, Damisa. Wesh, j'arrive, Titi. De Moura. Je te vois. On a Jack avec nous, c'est bon. Je te serai gré d'arrêter. Attends, j'arrive. Merci. Oh, saleté. On a dit qu'on t'en mettait plein la gueule ce soir. Oui, je sais. Mais ça change pas d'habitude, c'est bon. C'est bon, tout le monde est là? Enfin, okay. Non, pas pour moi. On t'attend ou pas? Mais j'arrive. Trop tard. Il a fermé la porte. Ah, attention, épique. Attends, faut regarder à droite, à gauche. Là, j'ai bateau et peuple. Si ça n'a pas changé, c'est toujours le serpent. On va voir si ça a changé. Là, j'ai mis serpent sur celui-ci. Non, j'ai pas c'est bon, il y a le serpent sur celui-là. Pourquoi tu l'as pas... Mais t'as attendu quoi? T'as foutu quoi? Mais j'ai essayé d'appuyer, mais j'avais pas l'action. C'est bon. Alors le deuxième, je peux vous dire que c'est pas le piaf. Là, j'ai le requin. Testons l'avion. Les trois bonhommes, non? Ah, bon, testons les trois bonhommes, alors. Au milieu, il y a les trois bonhommes, en tout cas. À gauche, il y a les trois bonhommes. Trois bonhommes. Faut voir si sur le deuxième, il y a les trois bonhommes. C'est bon, on les a. Yes, nickel. Oh, joli! Putain, j'y étais presque en plus, bordel quoi. Je suis vraiment mort comme un. Ah! Bon, allez, viens. Le médaillon! Tu l'as? Le Kraken! J'ai été trop greedy, c'est tout. Voilà. Allons, coupe à droite. On est bien ici, on peut pas faire bronzette, un petit cocktail, tout ça. Hein. Par là. Ah non, parce qu'il fait nuit. Oh. Bien calde. Mais on peut quand même faire cocktail. Attendez, c'est un peu haut quand même. Non, descend. Ça passe. C'est vrai que ça rame un peu par endroit, hein, c'est... Oh, à chaque fois je me rate. Ça rame pas, c'est mystique. Oui, oui. On va dire ça. De Mister BGA, c'est bien. Dark. Bonne nuit, Marie-Gory, c'est Boré, prends soin de toi, merci d'être passé, à la prochaine, ciao, bisous. D'accord. Salut, bisous. Chouchou, mange des chips. Du rhum des femmes et de la bière, nom de Dieu. Mange des chips. Et monsieur sera fâché demain. C'est quoi ce patriarcat là? Qui s'ouvre dans son micro? Ah, c'est moi. Ah, monsieur, il a le droit d'être fâché. Comme madame. That's true. Hop là, ensuite.
Une fois qu'on a toutes les pierres. Ouah. Donc là, ça ouvre la clé. On a un nouveau médaillon. Ok. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Il faut atteindre le trône, apparemment. À côté secret, je pense que je vois un passage au cœur de l'île. Mais comment s'asseoir sur le trône d'un titan déchu? Il faut y aller en bateau. Il faut se canonner sur la tête du... Ok. Eh, c'est parti pour le cirque bouclé. Si j'échouais avec le bon angle, je pourrais atteindre le trône. Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Faut se catapulter sur avec un canon sur, sur le trône. Il faut trouver le sloop échoué. Faut trouver le sloop échoué. Pas besoin de reprendre notre navire, ici. Ah, d'accord. Alors, c'est parti pour le cirque bouclé, mesdames et messieurs. Moi j'ai le médaillon, hein, je peux pas voir. Faut que je repose sur. Oh merde, je repose sur ici. Au pire, tu laisses le médaillon quelque part, je le récupère et comme ça. Par contre, je sais plus où il est le sloop. Mais le sloop, c'est pas le navire de base qu'on voyait échouer sur la carte? Bah, il est à côté du bateau, au sud. Oui, oui, si c'est celui-là, effectivement. Si c'est pas. Sur la carte? Oui. Oui, oui. C'est celui où on a le livre, quoi. Il est échoué avec son. Il est venu en sloop au Shroud of Gold et c'est son bateau dont il parle, le bateau. Alors c'est une sloop qui est vachement plus grande que n'importe quelle autre sloop. C'est mignon, Marigory. Bonne nuit, fais de beaux rêves. Encore une fois. Très bien qu'ils aient eu la possibilité de jouer à 5 dans un équipage ou 4 plus Twain. Ah mais là, ça serait très unfair pour le reste de la communauté, hein. On les défoncerait tous. Hein. M-Cald, oh Isa. Après, on peut faire ça. C'est mignon, si... Isa. Faut écumer si les serveurs. Si on met un peu à l'avance, on peut partir avec plusieurs bateaux. Ouais, mais ça prend du temps quand même d'essayer de tomber sur le même serveur. Hein. Mais E.T. a disparu. Il y a des gens qui arrivent assez vite. Mais comment il a fait? Ah. Ah, attends. On met Twain dans une sloop derrière nous qu'on tire en surf. Pourquoi il y a une musique horrible? Attends, ça fait pas un peu loin la sloop là pour celle qui est sur la carte? Je sais pas. Mais c'est un sloop le bateau qui est échoué là-bas? Ouais. Il le dit au début du livre. Ouais. Mais c'est pas son bateau à elle? Moi j'ai l'impression que ça fait vachement loin. Pour réussir à se catapulter là où il faut. Attends, on n'est pas du tout là où il faut là. Il est où notre bateau? Même pas ils m'attendraient, ces bâtards. Il fait tout nu, je l'entends bien. Si c'est par là. C'est vrai, tiens, mais pourquoi il y a plus notre bateau? Non, mais notre bateau il est pas là, par là. Il est là, notre bateau. Il est là, mais. Il est pas totalement au sud sur la carte. Voilà, là on a ça. Mais ça ressemble tout sauf. Si, ça ressemble un peu à une mais grille. C'est pas un sauf. Ça ressemble à un. Ça ressemble à un. En fait, ça a l'air. Bah non, regarde, y'a qu'un mât. Mais ça sert à rien. Hein? Y'a qu'un mât. Mais ça ressemble à un galion, mais il y a qu'un. Mais comment je peux me canonner même si j'ai un médaillon dans ma main, ouais. Et d'ailleurs, vous voyez un truc pour canonner, ouais. Mais non, mais c'est pas ici, hein. Je suis là, du coup. Le trône, déjà. Est-ce que c'est le trône? Je disais bien que c'était trop simple si c'était celui-là. Bon, faut retourner au statut, alors, si je comprends bien. Il me semblait trop loin du coup. Mais je sais pas, j'ai pas la carte. Mais il est pas sur la carte. Oh non, mais les statues, elles sont sur la carte par contre. Oui, des mais statues. Mais à quoi elles te servent les statues? Bah le trône, ça ressemble à une statue sur le bouquin. Ah bon? Oui. Bah oui. Je sais pas, non, mais moi oui, j'ai non, le médaillon c'est... Non mais c'est pour ça que tu dis ah bon, je dis oui, elle ressemble, je dis pas bah oui. Parce que bah oui, ça voudrait dire bah oui, ça ressemble à ça. Mais non, oui, ça ressemble. Je raconte n'importe quoi. Isa qui nous dit de mémoire, nous avons utilisé notre galion pour y aller. Tu peux peut-être ruiner le jeu, mais ça a l'air d'être. Oui, complètement, de dire que... nous on a utilisé notre galion pour y aller aussi. Pourquoi on mais fait pas moi, ça? Moi je me souviens que j'ai trouvé le sloop. Tu sais où qu'on doit se cadonner du coup? Alors, et nous avec Twain c'était encore plus marrant parce que c'était déjà même. Ça se trouve, c'était même pas fermé. Merci de m'attendre, E.T. De quoi? Non? Ah oui, pardon, c'est vrai que tu peux pas te défendre. J'arrive. Mon protecteur! Mon héros! Punaise. Quelque chose de positif. Attends.
Bon, du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Là, il y a une porte, donc je pense que c'est ici qu'il faudra aller. Là où je suis, il y a une porte. Donc, il y a forcément un moyen d'aller là-haut. Une porte, où est-ce que tu vois une sous porte, la statue, là, qui est à gauche, à ta gauche. Bah pourquoi on y va pas? Parce qu'on peut pas l'ouvrir, cette porte. Mais, Bah, nous, elle était ouverte avec toi. Mais il suffit de d'allumer, non? D'allumer quoi? J'avais vu des bras zéro qui étaient pas allumés, du coup, je me suis dit, ah, peut-être qu'il faut allumer les bras zéro. Attends, toi, elle était... Mais non, mais... Oh, je vais ouvrir le bouquin, parce que j'en ai marre de pas comprendre de quoi vous parlez. Mais faut que tu te catapultes dans cette statue avec l'aide d'une d'une sloop. C'est pas compliqué à comprendre, on dit ça. Mais ils disent que la sloop... Vous n'avez pas du tout parlé de catapultage dans la statue. Vous avez dit ça ressemble au trône, je sais pas quoi, mais à part ça, mais moi j'ai rien. Mais il a dit le trône, ça représente la statue, et c'est là-dedans qu'il faut qu'on se catapulte. Ouais. Attends, c'est quoi, ce type? Pourquoi ça grimpe par ici? Bah, au pire, on le fait avec un galion, hein, qu'est-ce que je dis? Ouais, c'est quoi, ça? Quoi? Bah au bout du chemin t'as une porte spéciale, une c'est grande porte. C'est là où ils ont trouvé des symboles tout à l'heure. Ah oui d'accord. Oui. C'est un des points d'interrogation. Mais alors la sloop, putain je sais plus du tout où c'est. Mais elle est forcément pas loin si c'est celle-là la statue. Mais le truc qui me perturbe c'est qu'ils la mettent sur l'eau la sloop. Ah bah du coup faut peut-être prendre effectivement notre galion. Allez ramenez le galion, moi je vous attends. Ah, attends fais voir. Moi je fais le tour des statues pour voir, il y a forcément un endroit où il y a un... Où il y a un truc. Entre les deux hôtels là, les deux bras zéro éteints, je pose la pièce. C'est là qu'elle disparaît et que... On va trouver. Allumer le feu. Du coup faut arriver là-dedans. Donc il n'y a pas non plus 10 000 angles possibles. Oui. Revenir à l'état sauvage. Moi je pense pas que... T'es sûr qu'il y a un stoop quelque part? Moi je pense qu'il faut plutôt utiliser notre canon à nous. Hein. Ah non, il dit qu'il a découvert un sloop échoué. Mais il est peut-être plus là depuis le temps. Oui, on peut utiliser notre bateau. Donc mais c'est peut-être juste pour te dire qu'il faut te canonner quoi. C'est tout. Hein. Je sais pas, Jack il se souvient d'avoir utilisé la sloop. Moi je l'ai pas utilisé. Moi je pense que Jack il a fumé. Ça c'est pas impossible non plus. Et je pense que Captain Jack il est AFK. Non, je cherche. Je cherche et je trouve pas. Est-ce qu'il y a pas de galion? Si vous voulez ramener le galion en attendant, allez-y. Hein. Est-ce que ce serait pas tout là-haut? Est-ce qu'il y a moyen d'aller tout là-haut? Vu où est la statue, le stoop il est forcément que par là quand même, mais je ne vois rien. Moi je pense qu'il n'y a pas de stoop et qu'il faut y aller avec le galion. Et du coup, non, c'était pas des médaillons, la well. Darkichou, tu fais quoi? Oh, je remonte l'encre. Ah. Et du coup, je vais essayer de revenir aussi vers le bateau. Quoique, je suis beaucoup trop loin avec ce médaillon de merde, là. J'aurais dû le laisser. En fait, faut que tu le laisses devant les portes. Bah, je vais le laisser devant les portes. Et je vais me tuer. Try again. Voilà, j'ai laissé le médaillon. Ah non, mais tu sais qu'en plus, avec Twain, on est des vrais gros débiles. Hein. Ah non, c'est la porte de derrière qui était ouverte, pas celle de devant, je crois. Tue-moi! Encore un petit effort, allez. Ça te met du temps pour viser, hein. Tu vas y arriver, vas-y. Oh zut, j'arrive trop tard. De quoi? Trop de bouteilles.
Mais y a pas de porte de derrière. Alors non, si c'est équipé pour les normes de sécurité, il y a forcément une porte de derrière. La sloop échoué. Si elle est échouée, la sloop, elle est forcément sur le rivage, non? T'es allé voir l'autre côté, Jack? Attends, je suis où, là? Les statues sont là-bas. Les statues sont... Ah bah, je crois qu'il faut aller là-dedans, hein. Faut que t'ailles au nord-est. Ah, encore... ah non, c'est encore de l'autre côté, ouais. Je dois encore continuer. Nord-est de l'île. Ouh. Il y a des sublimes à droite. Mégalodon doré, le Kraken doré. Ah, ça va être tendu de tourner, attends. Ah, je vais mettre au repas. Oh, il n'y a pas de trou. Ah non, ça a dû taper dans le fourgon. Attends, je vais peut-être en faire un en manœuvrant, mais... Je reste en bas avant ça. Oui, sur cette astuce, il faut te catapulter, mais ce qu'on disait tout à l'heure... Mais on cherche le sloop qui permet de se catapulter justement. J'ai envie de danser. Démonstration. Moi je pense qu'il n'y a pas de sloop. Bah pourquoi ils le montreraient pas? Allez, j'ai trouvé un sloop échoué. Mais parce que eux ils ont fait ça comme ça, mais en gros c'est juste pour te dire qu'il faut que tu te canonnes ou quoi. Mais pourquoi le sloop échoué il aurait disparu? Bah parce que depuis le temps, les intempéries, tout ça quoi. Bah après c'est vrai hein, les tempêtes, les trucs de la mer, etc, ça pourrit vite les... Ça peut vite dégager hein. C'est un petit typhon des familles... C'était juste échoué sur le bord, à un moment la marée elle part. Faut aller où du coup? Je crois qu'il faut aller tout droit là. S'engouffrer là-dedans? Ouais. Ouais, ça me paraît bizarre, je vois pas de plage. Et là où il y avait les statues, il y avait une plage. La crique, elle est derrière. C'est au nord-est, là, là, de l'île, normalement. Comment je dis au nord? Sinon, ça peut pas être au nord-est. Ce que je raconte. Nord-ouest là. Bah, je crois. Attends, je vais regarder sur la carte. Après. Ah bah non, mais là, sur la carte, y'a pas l'île. Mais si, y'a l'île. Vous êtes arrivé du côté ah, où il y avait l'île. Ah, c'est bon, je vois où je dois aller, c'est bon. Ouais, c'est encore après, c'est ça? Ouais. Oui, on voit les statues, là. Ah, c'est ce qui me semblait. Le problème, c'est qu'avec ce putain de halo rouge, tu vois rien du tout. C'est bon, continuez, c'est après le prochain, ouais. Regardez, je suis là. Bah attends, je me mets à la pointe comme ça. S'il y a le halo rouge, j'ai plus. Normalement, vous pouvez me voir là-bas, il y a la fumée de la sirène, et puis je tiens ma torche, ma lanterne. Et en fait, c'est après. Bah, je vous devez tourner à droite. Je suis sur le rocher, là. Oh, il y a une petite cascade qui se jette dans la mer. Salut Sakura, comment ça va? Très étrange, ça d'ailleurs. En fait, en vrai, on pourrait le faire d'ici, hein, mais. Ah bon? Ah oui, salut Iti. Ouais, après ça, vous tournez à droite, mais... C'est dommage qu'on ait pas trouvé ce sloop. Il est forcément quelque part. Ça va être chaud à manœuvrer en galion ici. Ça remonte la première voile. Il y a un palmier pas loin. Quelle différence y a-t-il entre un bon et un mauvais pirate? Le bon pirate, il voit un navire, il aborde, tu vois. Le mauvais pirate, il voit un navire, il l'aborde, mais... Il est mauvais. Mais il est mauvais, quoi. C'est tout droit, capitaine. Moi je vois pas de sloop en tout cas, je pense qu'ils ont fumé et qu'il n'y a plus de sloop. Après moi personnellement je pense pas vraiment qu'il y ait de bons ou de mauvais pirates. Oui. Mais je dirais que c'est d'abord des rencontres.
On va y arriver. Non. Ah, c'était court, mais j'ai bien dormi. Pour la solide position de la sloop. Titre. C'est ce qu'elles te disent toutes. C'était court, mais j'ai bien dormi. Ah oui. C'était gratuit, ça. Ah, il y a deux sirènes dans l'eau. Ouais. On est chanceux aujourd'hui. T'avances plus là, on est d'accord? Là, quasiment plus. Allez, je le fais à la zob. Ok, faut plus haut. T'as pris lequel? Le premier. Mais là, le bateau a tourné encore, donc faut le recadrer. Et il faut le mettre un peu plus haut du coup. Alors, est-ce que Jack the Master va y arriver? Bon, mais et. Attention, attention! Oui! Du coup, on doit tous y aller ou pas? Aïe, ah putain, pas grand chose. Non, non, il va ouvrir la porte. C'est bon, il a réussi à rentrer? Ouais. Ouais. Ensuite, moi j'arrive tout juste au bateau. Si, t'es sur le bon, faut juste que tu descendes. Donc tu rentres dedans. C'est... Ah non, c'est peut-être... T'es peut-être un poil redescendu là. Mais non. L'entrée elle est juste là. Mais oui. Ah oui, non, elle est là, oui. Non mais les gars, quand même, faites un effort. Ah zut. J'y étais presque. Ah, c'est bon. Dit que t'avais pas besoin. Mais j'étais arrivé au bateau, fallait bien que je me catapulte. Faut descendre du coup. Allez. Attends, moi je vais... Y'a un livre normalement à récupérer sur l'un des... l'une des statues. Oh, on fera ça. Moi je le fais maintenant, parce que j'ai pas envie de revenir. F, rejoindre mon équipage. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi faut appuyer? Qu'est-ce que ça fait? J'ose pas cliquer. Ah, c'est à quoi cette petite statue? Ah, c'est une sirène. Donc du coup, oui, ça rejoint le bateau, ok. Waouh! C'est classe. Merde. Il y a des pics en bas. Ah oui, j'ai vu. Oh putain, mais quel bolos. C'est exprès pour... Alors là, par contre, je vous préviens, les gars. Ça va être louf. Faut que je mange. Pleure de l'au-delà. Comment ça, dans 3 heures? Attends, quoi? Ça va être nous arrivons dans l'énorme phase de plateforme. J'ai débloqué un succès parce que j'ai communiqué avec un pirate dans l'autre monde. Waouh, il y a des pièges par ici. Ah oui, là il y a... vous avez, quelqu'un a pris la clé? Quelle clé? Ah non, oui, on a ouvert, je suis con. Non, rien. Ça me fait peur, toi. Comment ça, on a ouvert? Bah on a ouvert, là, on descend. Là. Enfin, vous avez utilisé la clé? Oui. Au cas où il aurait fini de se suicider dans les cages d'escalier. Mais je vois pas de quoi tu parles. C'était pour tester le niveau de sharpen des sticks. Allez, on est parti. Oh putain, j'aime pas ça. Ouais, mais ça, on a pas de tonneau. Oh punaise, je me suis fait avoir. Non mais sérieusement. Dommage. Mais comment t'as fait pour finir Crash Bandicoot, toi? J'ai beaucoup recommencé. Ça a pas fini. Oh, vite. Ah! Je pensais qu'on pouvait passer d'un coup. Moi aussi. Mais on s'est engagé un peu tard dedans. Ah, bonjour. Je veux pas t'entendre. Non, mais c'est juste qu'en fait, c'est un genre de truc qu'on veut se précipiter et il faut pas. Bah, je sais pas, moi j'ai vu que vous passiez, je me suis dit vas-y, je passe en même temps et en fait, non, j'étais à 1000 mètres plus loin. Donc c'est un problème d'appréciation de distance, donc. Ouais, mais en ce moment, tu marqueras que j'en ai beaucoup. Ah, mais on reparaît directement ici. Ah, oh, c'est pratique. Yes. Moi, j'ai fait le voyage inaugural, je sais pas si tu l'as fait. Le voyage inaugural, je sais pas. Donc tu l'as pas fait. Bon, bah, il l'a pas fait. Ah, mais on revient vraiment pas loin, en fait, du coup. Ouais. Bah oui, non, parce que... Moi, j'étais réapparu un peu plus haut. Parce que t'es
parce que t'étais mort un peu mais plus quel taré. Haut. Quel taré. Ah putain non, je me suis arrêté trop tard. Ah je l'avais pas vu. Ah non, on peut pas le faire d'un coup, impossible. J'étais vraiment le plus rapidement possible. Tu peux pas, c'est pas possible, faut s'arrêter. Non. Attends, mais Tite, t'étais remort, mais comment t'as fait? Il y a deux pics, après j'ai pas eu le temps de traverser. Donc, ne pas compter sur E.T. pour celle-là, c'est noté. Depuis quand tu comptais sur moi? Bah, de temps en temps, juste quand même. Non, mais j'avoue, hein, c'était une erreur de ma part. Par respect et amour pour toi. On fait la dernière quête du Shroudbreaker. On est au Shard of Gold, et c'est la dernière. Et après, il y aura une nouvelle fable du Fidelity à faire, normalement. Bah... Bah, ça là, j'ai vraiment pas compris. Bah, je pense que t'es mauvais. Bah, c'est surtout que je suis passé en même temps qu'ici, ici, il est pas mort. Ou alors, j'ai eu un vieux rollback, je sais pas, mais. Un baril! Tire dessus. Où ça, un baril? Et alors, avant. Oh là là, mais c'est quoi cet endroit? Oula! Je suis pas assez loin de me refaire buter, moi. Wouah, tellement stylé! De quoi tellement Par contre, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pics. Ça a dû mettre du temps à placer tout ça. Moi, je sais, hein, parce que dans Seven Days to Die, j'en ai placé des pics. Hein. Oh, oh putain, ouais, mais c'est de la plateforme, c'est du bunny dans CS, quoi. Ah bah oui. Ok, on en est là. Je sais même pas à quoi ça sert ce que je fais. What the fuck is that? Mais il sortait d'où ça là, putain? Ah, mais Tomb Raider, tu n'as qu'à bien te tenir, hein, j'ai envie de dire. Putain, E.T. il est en train de mettre la teon à Dark là, c'est magnifique. J'ai rebondi sur la statue. Je sais pas à quoi ça sert ce que t'as fait, mais. J'suis tellement deg. Oh là là! Y'a des chauves-souris, je crois! Oh, y'a des chauves-souris! Non! Non, non, non. Ouh, allez, ça c'est pour moi ça. Yes, I! On t'a déjà vu sur Fallout, on t'as se fait souvient des que dans Fallout 4, hein! Ouais, c'est ça, ça rame, c'est vrai. C'était moi le pro de l'acrobranche dans Fallout 4. Ouah, punaise! Non, pas Fallout 4, Fallout 76. 76, pardon, ouais, t'as raison. D'ailleurs, tiens, faudrait qu'on s'y remette, hein. Encore des pics. Ah, oh, mais y'a pas que des pics, en plus, c'est saleté. On est censé passer comment, là? En sautant, ici, en sautant. Par-dessus les pics? Je non, pense, non, hein. C'est ce que je voulais faire, putain. Ou alors, c'est qu'il y a un truc à activer, attends. Je pense pas, hein. Lire un simple souvenir. Oh, y a un petit... Ah, d'accord, le jeu y a quitté. D'accord, on en est là. Et Diak, il fait quoi de son côté, en attendant? Bah j'essaye toujours de me canonner sur ma putain de statue. Tu vois qu'il fallait sauter. Mais pourquoi tu te canonnes sur la statue? Pour récupérer un livre. Pourquoi il y a plein de bruit? Bah ça sent les squelettes, hein. Ouais, la bouffe. Oui, oui, ça sent les squelettes. Faut les éclairer en plus, oh bordel. Oh, faut les éclairer. Ah sinon ceux de là-bas, faut les éclairer. Attends, vas-y, c'est bon. Toc, toc. Allez! On va manger un petit coup, hein. Il y a encore de la bouffe, là, si tu veux. Oh! Il y a une case de munitions. Nickel. Victoire! Cassez-vous! Certains sont de bons grimpeurs. Moi, je suis une super grimpeuse. C'est pour ça que, selon leur avis, ici, c'en est la preuve. Excellent. Enfin, j'ai grimpé, mais en fait, je me suis servi d'un canon de mon épave. Mais si vous lisez ça, alors vous avez une idée. Hop là! Il y en a encore. Rentre chez toi! Les panoramas ici sont magnifiques et je veux tous les voir. C'est dommage que je sois seul en fait. Où que tu sois, j'espère que tu vas bien. Excellent! Je me sens maintenant heureux après avoir entendu ça. Elle m'aura fait chier jusqu'au bout cette putain.
Encore ? Ah bah oui, tu croyais quoi toi ? C'est la dernière quête, Titi, hein. De quoi ? Vivons la scène nulle, c'est même pas commencé en plus. C'est vrai ? C'est grand, comment ça, c'est grand ? Y'a que moi qui est grand. Pardon. Qui rajoute des couches. Je t'ai dit 10 livres de cette quête, enfin. C'est bon, Kat, tout se passe bien de ton côté ? T'inquiète. La porte, elle est fermée. Ha ! Waouh ! Yes ! Rejoindre mon équipage. T'as vu ça où ? Ah oui, bah. Ah, mais c'est, du coup, je pensais quand tu disais que la porte était fermée, c'est genre la première sous la statue, je fais, ouais. Hop, ouais, mais oui, c'est les checkpoints. Il est embête, lui. Quand on passe un checkpoint, ça referme derrière nous. Il est plus solide que les autres, lui. Ouais, ouais. Bon, alors, par où on passe ? À gauche, là. Hop, là. Juste récupérer vite fait de la vie parce que. Il y avait de la bouffe dans un coin là, elle était là. Toc. Ah, des pièges. Allez, les ennemis, c'est fait. Ensuite... MVP de la grotte. Ah, avec un final, hein, tu vois. De quoi ? Non, non, mais c'est très cool là, c'est new. Ah non, mais là, on est en train de se faire reculer par les pièges avec Jack. C'est new, c'est un endroit fantastique. Vous êtes mauvais. C'est un monde merveilleux, c'est new, c'est. Alors, je sais pas si pour vous c'est grand, mais oh, pour putain. Moi, à l'heure actuelle, c'est plus petit. Oh là, ok. J'adore. De quoi ? Des gens avec un humour de merde. Traverser comme ça, c'est juste tellement parfait. Waouh, 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 y'a encore du monde et pas qu'un peu. Allez hop, on éclaire tout le monde. On fait de la place. Trouve-moi une cage de munitions. Est-ce qu'il y a une cage de munitions ? Oui, là-bas. Il y a une lanterne en plus. Donc je vais les laisser rapprocher. Ah, le bâtard. Y'a un transparent là. Où j'arrive. Oh là là, mais c'est parfait. Sérieusement ? Vous êtes mauvais les gars. Ah non, mais là j'ai glissé dans le décor. Ah attends, puis ce qu'on avait fait la dernière fois là où je devais éviter à tout prix, c'était autrement plus difficile avec le baril là. Ah ouais, mais justement, tu vois, quand c'est difficile, vous y arrivez. Bonjour monsieur. Pour rattraper en fait. Je suis trop par ici. Ah, apparemment. Ouais. Toc toc. Qu'est-ce qu'elle est moche elle ? Hey hey. Oui. C'est quoi ma touche pour parler ? Non, Prati Aïe 2. Mais j'ai tellement plus de vie. Ça non. Mange. Non. Je l'ai tapé. Yes, nickel. Il allait tirer dessus. Oui, non, mais justement, et j'avais quoi 2000 mètres de points de vie là. Restant. Merci. Toc, toc, toc. Mince, encore un qu'un tronc de long, on peut pas me laisser tranquille. Faut qu'on élimine d'abord ceux qui sont. Mais non. Oh, ça passe pas. Armés. Je pensais vraiment que ça passerait. Faut les faire en plusieurs fois. Hein. Ah, il y a le résistant qui est là. Attends, je vais d'abord les petits. Au moins ceux qui nous tirent dessus, quoi. Ah putain, l'encre est dans le bon sens, c'est génial. Ouah, wow, à nouveau j'ai plus de vie. Allez, on y croit. On l'a eu l'autre ? Non, il est là. C'est bon, il nous reste plus que celui-ci. Ouh, mais tu fais mal, toi. Ah bah, le tromblon. C'est bon. Hop, allez, on continue. Je fais le plein. Pardon, utilise la force. Encore des petits pièges bien saugrenus. C'est vraiment du crash. Hein. Oula, je me suis fait peur.
Hey, y'a quoi là-bas? Y'a un bouquin par ici ou quoi? Non, c'est juste un éboulement, ok. C'est des bananes. Wouah! Qu'est-ce que c'est que c'est? Ah! Oh les saletés! Oh les putes! Oh les saletés! Les saletés! Oh non, c'est une... Attends, on va réapparaître où? Oh, ils ont caché ça comme des bâtards, quoi. Mais c'est ignoble ce qu'ils viennent de faire. Bonsoir. Là, c'est... Salut! Ah, d'accord, ok, génial. Eh, mais c'est pipe et jambes de bois. Mais oui, c'est pipe et jambes de bois. Dis-moi qu'on réapparaît pas là où sont les deux autres connards. Non, on réapparaît juste avant l'explosion. Moi, je suis au squelette. Ah ok, d'accord, ok. Ok. Non. Ah, c'est tellement pute, c'est tellement pute. Faut aller où, du coup? Faut que je vois... faut partir à droite, il y a une porte. Mais je sais pas exactement, faut que je pas traverser. Quel con, j'aurais dû m'arrêter, j'étais pile à un endroit, il fallait... Ah putain. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Là, on aimerait pouvoir passer le moment sur le bateau, en vrai, hein. C'est un peu chiant. Jean des pipes, Jean des pipes de bois. Depuis qu'ils ont mis le banjo, je n'utilise plus aucun autre instrument. Je me rends compte. Jean des bois de pipes. Ah, ça y est, je... Attends-moi, Iti, bon. Pour voir ensemble où est-ce qu'on s'arrête. Ouais, justement, je t'attends et je vais essayer de monter en hauteur. On doit regarder avec la longue vue. Non, mais pas ça. Ah putain, vous êtes juste après moi, j'en suis au squelette. Y'a un levier en face à gauche, non? C'est quoi? Non, ça va, non, y a juste... levier. Y'a un levier juste là, en fait. Je viens d'abaisser un levier là, E.T., je sais pas ce que ça fait. Ça fait qu'il y a plus de pique. Putain, si. Ah mais en fait, c'est nous... Est-ce que tu peux maintenir le levier ou pas? Parce que pendant quelques secondes, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait plus de piques. On fait le 5. Je comprends pas, les piques s'activent, s'activent plus, s'activent, s'activent plus. Faudrait qu'on puisse lever l'ancre là du monsieur et se barrer avec le bateau. Oh non. Mais c'est pas logique. Pourquoi? Sérieux? Ah, ça désactive cela, c'est ça? Je comprends rien, ce système de levier, E.T. Attends, j'arrive. Je sais pas ce que ça fait de l'activer ou pas. Les pics ils s'activent quand ils veulent, j'ai l'impression. Je suis de retour. Attends. T'en es où toi là? Là j'ai appuyé sur le levier. Ouais mais je vois pas ce que ça change. J'en suis... Attends. J'en suis que j'ai sauté dans les pics comme un débile. Attends, fais voir. Ah. Parce que je suis pas foutu. Mais qu'est-ce qu'ils font là les squelettes? Mais, what? Attention! Quoi? Mais les pics viennent de sortir. Mais d'où il y en a ici? Je comprends rien, morts. Depuis qu'on a activé le levier, les pics ils sont bizarres. Ah, attends. Y'a plus de rythme. Je ne bite rien. Hey! Salut toi! Oh, sérieux, que faites-vous ici? You wanna play skit? Allez, salut, moi je me casse. L'autre, il a cru que j'étais son pote. Ah, mais les leviers, ils ouvrent la porte, en fait. Salut, Lançois. Tu sais, je suis arrivé au bout, hein, Cald, en fait, mais... T'as fait, du coup? Les leviers ouvrent la porte, t'inquiète. Faut passer par où, dis-moi vite, il y a les pics. Ok. Non, mais regarde, hop, là, et normalement, c'est bon, j'ai ouvert. Non, mais c'est bon, je suis passé sur le rocher à droite, on s'en fout, en fait, des pics. Ah! Tout à fait. Voilà. Waouh! Petit squelette. Hop là. Putain, les pics c'était vraiment un piège à pute en fait. Hein. Oui. Et encore, je crois qu'elle se serait pas laissée avoir. Je voulais dire piège à con, je sais pas pourquoi j'ai dit piège à pute. Alors que je respecte les péripatéticiennes. Hein. C'est facile ça. Attends, je crois que c'était une caisse de munitions. Ah! Y'a de nouveau une petite... c'est un checkpoint du coup. Tu veux que je dise, je pense que c'est pas une bonne idée ça. Parce que, je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Pourquoi quand ça va tomber,
Y'a pas un truc qui va se passer ouais, comme non, ça. Ouais, non, c'est ça. Dark et Jack, je pense que c'est le karma en fait. Ils sont pas dignes de notre talent, Haïti et moi, visuellement. What ça doit on se dirait dans. On se croirait dans Diablo, ouais. On arrive au bout là. Oh, les montagnes de pièces d'or. Mais non, Wop. Bah, attendez-nous si vous êtes à la fin. On a 10 000. Trop tard. On a 10 000. Mais moi, je ramasse les pièces d'or qu'il y a par terre là. Normalement, on a 10 millions de... d'or là avec ça. C'est bon. Ah, si vous êtes à la fin, on ferait mieux de nous attendre. Oui. Bah, c'est trop tard, hein. En fait, on savait pas, ça s'est activé. En fait, on aurait dû s'attendre dès le début. Je prendrais bien des caisses de munitions s'il y a quelque part. Ouais, je sais pas où elles sont. Attends, j'en ai une là, je crois. Putain, là où je suis. J'aime pas cette musique de boss. Ah bah, j'ai oui. tombé sur le boss. Ok. Ouais, ah, bah oui, ça paraît logique. Voyez. Ah bah, fond à gauche. Enfin, je suis trop con, j'aurais dû prendre un. Ah, pour l'instant, il est plus simple que l'autre boss. Hein. Il a pas ces putains de trucs qui nous font exploser là. Il peut faire exploser des trucs, je pense. Il se prend tellement de balles, le pauvre. Hop là. De quoi? Ils ont pas été foutus de coder plusieurs boss, du coup, ils font tous la même chose. Ah! Bah là, il fait pas les. Ils font des animations différentes. Et en gros, ils font des téléportations, ils mangent des bananes, ils font des ondes de choc. Bah, pour l'instant, il a pas fait d'ondes de choc, donc parle pas de malheur. Il y en a plus une petite ondes. Ah bah, t'inquiète, il va en faire. Mais c'est juste la plaie. Attention. Là, il en fait une. Oh la vache! Effectivement. Et voilà. Elle a une portée de dingue. Oui. Et ce boss, c'est juste une putain d'éponge. Et oui. Si on se cache derrière. Là, il absorbe les coups. Ça fait quelque chose si on se cache derrière un. Un objet ou une onde de choc ou pas? Non. Ok, très bien. Le son du jeu est très fort, je vais baisser ça. Elle est trop voilà, classe, ça. Là. C'est mieux quand même, hein, parce que ça gueulait pas mal. Hein. On se rappelle qu'il faut tuer les ZAD. Et non pas les ZADistes. Pourquoi pas les deux? Bah voilà. Parce qu'il y en a un qui est illégal, quand même. Je peux pas tuer des gens comme ça, ici. Bah moi, c'est ce qu'on m'a dit. It's a trap. Il va sauter. Voilà. Oh. Oh là là. C'est là oh, que je suis content de regarder. Ah, j'ai plus à bouffer. Ah, je suis mort. Pourquoi il fuit? Pourquoi il me donne un boulet? Je m'en fous du boulet, donnez-moi à bouffer. Oh oui, tiens, ça c'est pas bête. Attends. Il est où? Copain? Il est sur moi. Ah. Oh mais le mec il s'est visé quoi. Ça sert à rien de spammer hein, une fois qu'il est en feu, il en feu. J'ai été un peu poussé. Où est-ce qu'elle est la cache de munitions ça ici fait pas de dégâts. Ah, j'ai plus de. Je trouve quand même plus simple que l'autre pour l'instant. Tu le trouves plus simple que lequel? Que celui avec juste avant. Les deux coffres. Qui l'est tapé. Et qui s'est téléporté tout le temps sur l'île. Mais il fait exactement la même chose. Hein. Ouais, mais l'autre il spammait beaucoup plus les coffres souvent. Ouais, mais l'autre. Non, attends, l'autre son AOE était tout aussi grande et en plus il le spammait beaucoup plus souvent. Merci Chacal, 1979, bienvenue parmi nous. Bah en fait, installe-toi confortablement en espérant que ça tira bien ici. Merci d'avoir rejoint. Ah. On a plein de collègues là. I am dead. Bon bah, je vais voler. Moi ce qui m'embête là c'est. On va essayer de tuer les ads un petit peu sur les côtés. Faut tuer les mobs. Sinon après y'en a trop et on meurt. Qu'est-ce que j'essaye de faire là? Yes, je suis même pas encore apparu, je me fais attaquer. Génial. J'aime non. ma vie. Oh salut.
la vache, je veux faire Atom. Il faut de la bouffe, il faut de la bouffe, il faut de la bouffe. Vide. Tellement solide. Wow. Oh, une larve, génial. Non, donnez-moi de la vraie bouffe, s'il vous plaît. J'ai plus de bouffe. Wow, il est juste derrière moi. C'est vrai qu'ils auraient pu sauver plusieurs boss quand même. Là, même d'ici, je prends des dégâts, quoi. On va l'avoir. Désolé, c'est un peu intense. Oh, y'en a un qui a popé n'importe comment. Eh merde! Oh là là, belle explosion, mais je suis où là? Ce boss, pour info, vous en avez pour 30 minutes minimum. Ah, génial! J'aime ma vie. Tiens, j'ai des planches. Bah, c'est le pire boss du jeu. C'est juste une horreur. Oui, parce que tu peux même pas mettre ton bateau pour que je comprends même pas qu'ils aient eu l'idée de se dire, ah, ça va être bien quoi. C'est ce que je disais, moi hier j'en avais un parce que j'étais fatigué, mais je trouvais ça frustrant au final, toi. J'ai raté le boss. Tu sais pas, même si tu connaissais pas Terne, ça reste super chaud à esquiver et tout, et donc tout ça. Ils auraient pu faire des trucs tellement bien sans même avoir à devoir coder des nouveaux trucs, quoi. De faire comme un boss où tu joues avec des pièges, avec des tremplins, etc. Il y en a déjà plein dans le jeu, des trucs comme ça. Ah, mais c'était le premier qui faisait des explosions. Non. Des AOE? Non, c'est exactement le même boss que tous les boss de la fable. Hein. C'est vrai. Maintenant, sont les boss que t'as sur tous les forts. Bah, il a juste un skin différent. Ah putain, mais pourquoi c'est toujours moi qui ai l'aggro? Voilà, je prends Bagdad. Poil, n'importe. Mais en fait, je crois qu'il faut parer avec l'épée pour réduire les dégâts à ce moment-là. À confirmer. Hein. Parlons de choc avec l'épée. Ouais, tu prends moins de dégâts, je crois. Eh merde, pas le temps. Quoi? Mais non, mais j'étais pas assez haut pour mourir là, te fous pas de ma gueule. Mais putain. Mais si. C'est vrai que c'est frustrant. Tu peux prendre les dégâts de l'onde de choc, tu prends les dégâts de la chute. Ouais. Non, mais putain. Parce que c'est pas comme si le jeu avait une mécanique de dash ou de truc d'esquive, tu vois. Non, c'est tu dois juste courir comme un dératé dès que tu vois le début de l'animation, c'est que t'as pas le temps entre le début et la fin de l'animation pour être assez loin. Même les hats, je trouve trop long à tuer. Ça va, Oui, mais moi j'ai un sniper et une épée. Ah, faire les fables seuls, je te dis bonne chance. Puis ouais, tu peux pas la deuxième, regarde, pour trouver la tortue, le symbole de la tortue, tout à l'heure, il fallait qu'on soit deux. Il se rebaisse suffisamment doucement pour que t'aies tendance. Ah, ok. Mais seul, ça va quand même être super long. Après, normalement, les boss s'adaptent à. Ok, je viens de réapparaître et je vais mourir déjà, c'est nickel. Je crois qu'il aura pas autant de PV si t'es seul à le battre que à 4 en fait. Il a moins de PV. Donc, oui, c'est faisable, mais. Je pense que le mieux avec cette quête, c'est de la faire à 2. Ouais, ou à 3. Aïe. Non, à 2. C'est joli comme ça, en tout cas. À 2, les boss ils s'explosent super vite. Oui. Attention. Non. C'est bon, il invoque là. C'est bon, la faut en profiter. Oh, putain. Ah oui, bah oui, c'est quelqu'un qui propose. Mais j'ai plus de bouffe. Et j'ai l'impression que ça repop pas dans les. Si, mais ça met du temps. Ah, vas-y, je vais me mettre là. Je serais bien là. Voilà, ça c'est ma place. C'est ton terre-terre. Il est où le monsieur? Après, la technique c'est pareil, ça fait pas tant de dégâts que ça son explosion. Donc si tu vois qu'il l'a fait, tu te mets dos à un mur et tu vas juste rebondir contre le mur. C'est pratique le sniper, ça permet de rester vraiment à distance.
Wow, j'ai réussi à arriver sur le pont avec l'explosion. C'était beau. On commence à être à court de supplies. Hein. Ah, il s'est déplacé, la saleté. Ouais, pareil. Désolé, c'est vrai que j'ai pas beaucoup le chat. Comment as-tu lancé le coup? Je sais plus réaliser les pics qu'on dirait du Prince of Persia si tu t'approches trop vite. Ah, mais putain! Ah, mais je fais que le rater là. Je touche pas. Ah, bah enfin! Il mange. Non, non, il est en train de me salater la gueule. Il va exploser! Non bah je suis pas sûr que l'épée ça enlève les dégâts en fait. Ah mais c'est ça qui a PV quoi. J'ai vraiment plus de vie et y a plus de bouffe nulle part j'ai l'impression. Rejoins-moi au pire, il me reste une ou deux bananes. Mais pourquoi ça bouge pas? C'est bon, j'ai trouvé de la bouffe. Mais... Nous avons perdu Dark. Ouais non, c'est pas les plus passionnants les boss, on est d'accord. Alors que quand tu compares à Kraken et tout, c'est quand même beaucoup plus passionnant. Ah bah ils ont grave de la gueule les boss, mais en termes de gameplay, c'est juste de la grosse merde. Il est passé où? À droite, je crois, pour moi. À droite quand on rentre, ouais. Là où tu es. Je ne vais pas encore à corps. Ah, j'ai raté. J'ai pris l'aggro d'absolument tous les mobs qui viennent invoquer. C'est magnifique. Mais des fois, j'ai l'impression d'être dessus, ça me tire pas dessus. Ouais, c'est vraiment pas passionnant. Alors, par contre, ça détruit pas ses potes, hein. Ça, c'est pas cool. C'est vrai que logiquement, une telle onde de choc, ça devrait les péter, hein, les petits squelettes de merde. C'est la magie. Ah, ouais, c'est l'histoire. Il s'est re-téléporté. Ok, il s'est téléporté pour aller 5 mètres plus loin. Bravo, Mongolito. J'ai compris mon pépito, mais je crois que je craquais. Ah, mais casse-toi! Allez, on vole. Oh. C'était beau, ça, Dark. Je suis mort. Avec même les ZAD, faut avoir juste 3 coups d'épée, mais non, il en faut 6, quoi, putain. Ouais. Faut se casser, il va exploser. Il va péter. Putain, la vache, mais je me casse même avant qu'il ait fini la vocation. Et je me prends quand même les dégâts, peux, quoi. Mais tu peux rien faire. Tu peux pas, tu ne peux pas ne pas prendre de dégâts, c'est pas possible. Ouais. C'est un bon, peu il est où, là? Près de l'entrée, je crois. C'est joué. Et bon, au moins t'es content quand tu l'achèves, hein, parce que là... Là, y'a plein de bouffe dans les... Ah là j'ai réussi, mais le temps que je revienne, en fait je peux lui mettre que un ou deux coups et après c'est trop tard. C'est TP. Il est là. À droite en arrivant dans la salle. Je crois hein. Ouais. Ah j'ai plus de... Merde, c'est pas les munitions, elles sont là-bas. Munition. Là j'aurais préféré avoir le sniper, hein, parce que finalement avec le sniper tu peux rester à distance quoi. Oui. Moi bon, il fallait bien que des gens avec un tromblon soient là pour prendre les dégâts à notre place. Bon et d'accord, après avoir terminé la femme on devient directement légende hein. Oui. Oui bien sûr. Ah ouais, quand t'as fini ça, ça t'a quand même eu, t'as droit à une grosse récompense. Genre, oh la bravo vache. Succès, vous avez réussi à achever le boss le plus long de l'histoire du jeu vidéo. Ah, mais... Ti, apprends à sauter.
C'est le boss final du jeu de mon. C'est même plus sur YouTube, j'ai été banni de YouTube alors solo quoi. Donc pour l'instant j'ai pas le droit de. À mon avis c'est parce qu'il a montré son sexe, moi je vois que ça comme explication. Alors ça, comme j'ai été banni pour escroquerie. Je suis pas sûr que. Il a survendu un sexe et quand on l'a vu, bah c'était pour ça. Ah, c'est possible, effectivement. Tac. Donc je peux il reste de la bouffe quelque part. Je viens de récupérer des bananes. Et tout ça pour 3 pièces d'or, c'est ça. Comment vas-tu, Nico? Quoi de beau? Donc, en fait, j'ai un problème dans le sens où je me suis tapé deux avertissements d'affilée sur YouTube, enfin à quelques heures d'écart. Et le problème, c'est que je m'en prends deux de plus, il supprime complètement ma chaîne, sans préavis ou autre. Donc arrête de streamer sur YouTube. Voilà, donc c'est pour ça que là, à mon avis, je vais pas restreamer sur YouTube avant un petit moment. Je sais même pas si je vais. Jusqu'au 1er mai, j'ai mon avertissement en fait. Mais arrêtez de donner des boulets de canon, donnez-nous des. Oh là 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 là. C'est encore, on peut s'en servir des boulets. Passionnant, ce boss. Voilà, je suis mort. Il y a un bloc de squelette. Ah, mais zut, ça part tellement vite les munitions aussi. Ah là là, j'adore ce genre de boss, c'est tellement cool à faire. Ouais, voilà, donc il faut que j'attende. Faut que j'attende jusqu'au 1er mai si je veux. Mais bon, me faire bannir pour. Je suis mort. D'accord. Moi je suis en train de manger des bananes et attaquer. Au sniper. Non mais viens encore à corps. Sinon on se fait déboîter, le sniper ça sert à rien. Mais encore à corps, on se fait exploser la gueule tout le temps. C'est une petite planquée ici. Faut qu'on soit 4. Faut qu'on soit 4 et qu'on. Ouais non je vais crever. Non il y a que des planches, là il y a des bananes. Ah c'est pratique les ananas. Bah oui. Expiré. C'est pas long ça. Oh zut. C'est un squelette derrière toi. Bah bien sûr, quand je me rapproche, ils nous balancent l'attaque dégueulasse là. Et ils m'y mangent. Allez go là, on m'entoure. On déboîte. J'en ai marre, je me prends toujours l'aggro. Et bah pas. Ok, vas-y, on déboîte les ZAD. Trop tard, je suis mort moi de mon côté. Explosion. Oui. Allez voilà. Trop tard. Yes! C'est passionnant! Le combat de l'infini! On avait été prévenu. Effectivement. Mais là, quand même. Je suis parti chercher de la bouffe. Mais il n'y en a plus de la bouffe! Il y en a encore. Il y en a plein partout! Ah non, moi, tous les tonneaux que je fais, ils sont vides. Je galère à chaque fois pour en trouver, je dois faire 4 tonneaux pour trouver de bananes. Waouh! Ok, je réapparais, je me prends une explosion dans la gueule, mais tout va bien! Putain! Putain, la vache, le sel qu'on pouvait lui lancer suffirait. C'est mort depuis. Tu m'étonnes. Mais déjà, il nous donne des boulets, mettez-nous des trucs pour les canonner! Même des boulets de feu, ce serait pratique en fait. Y'a des mecs avec les flingues ici. Quoi? Comment on fait pour aller en haut là? Il y a des plateformes en haut. Je viens de m'en rendre compte, il y a des petites plateformes en haut là, on peut pas y aller dessus. Ouais. Non. Là il invoque. Et du coup là il va faire boum. J'ai plus de vie.
J'ai plus de vie. Wow. Salut Tartine, ça va? Oh bah. Pff. Épisode de Life is Strange et quand je reviens, vous aurez toujours pas tué ce boss. C'est possible, hein. C'est possible. T'as fini ta post-run. Tu regardais quelque chose au... Ouais, bref. Terrible. C'est bon, attends, si j'ai pris l'aggro, il peut plus invoquer. Vas-y, tape. Non, j'ai perdu l'aggro. Non, non, il pète pas, là. Il a essayé de prendre une banane. C'est bon, les gâteaux. Là, il va péter. Non, là, il invoque. Ah non, il pète, ouais. Ouh, la vache. Pas loin de mourir. Là, il a invoqué. D'habitude, il invoque avant de faire exploser, c'est cool. Je vais reprendre encore de la boue. Yes. Arrête de te bananer, fils de pute! Pourquoi il y a des boules de canon et des planches là? Mais ouais, mais c'est chiant! Est-ce qu'on peut le clouter avec des planches? Ouais, je me tire moi. Oh la vache! Mais c'est horrible! Il ne meurt pas! Oh, j'ai pas été à temps. Il peut. Oui, ça arrive hein, parfois, excusez-moi. Non, 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 non. Ah, yes. Ah, mais ce boss! Ah, non, mais c'est ignoble. J'aurais déjà fait une manie de sommeil, tu penses? Putain, je suis en train de foutre tous les gâteaux qu'elle m'avait ramenés, ma maman. C'est horrible. Voilà. Attention, boule de feu. Non ! Salaud ! Téléporte. Encore. Où est-ce qu'il est? Il est là. Là où je suis. Donc ça veut dire que je suis à gauche de la porte quand on arrive, je crois. Ou peut-être pas. Non, je suis à droite. À droite. Oh, j'ai trouvé l'astuce. Quoi hein? Je suis tombé comme un caca. Oh là là. J'ai plus de vie. Effectivement, je suis mort. Gold. Des boulets quoi, mais je peux même pas en ramasser des boulets. Gold. Bonne nuit en soi, loco. Fais de beaux rêves. Mais du coup, tant qu'on peut pas vider les trucs, ils se remplissent pas à nouveau? Yes. Oui. Oui. Vous l'avez vu? On l'a buté. Oh putain, on est tellement fort. Allez Jack, on est tellement bon. Oh. Oh. Oh qu'il est beau. Oh, il va plaire à IT celui-là. Tiens. Waouh. Waouh. Mais... Now this is what I like to see. A grand adventure, a fight to the death, and a great big pile of treasure. Hey, derrière, c'est le début d'FF7, regarde. You'll have quite the tall tale once you make it home. The trouble with being the pirate lord is that everybody tries to follow in your footsteps. Iris, t'es où? Je suis dans les étoiles. Wow. Through the morning star. Why? Oh. I ask you. C'est un hologramme. Bigger and stranger than any of us know.
Et donc on va gagner 500 PO pour ça. As for the gold hoarder, I doubt we've seen the last of him. It's never that easy to scrub away the stain greed leaves behind. Still, I'm sure he'll think twice before he can fight with you again. Avant de vous chercher des noises. Traduction de qualité. Its power has claimed the hearts of too many pirates already. That skull should fetch a pretty penny with the order of. Attends, on va avoir que le crâne. Mais vous dites. Te fous pas de ma gueule, il y a des montagnes d'or. Te fous pas de ma gueule. For the Shroudbreaker's power is nearly consumed. I'll have my envoy return it to its resting place, ready for some other crew to test their metal. Non, mais moi je veux les montagnes d'or là. M'en fous, je pars plus. My doors always open to true pirate legends. Until then. Ouais, mais je suis pas un pirate de légende moi. Remember, it's not about the gold. Mais si, bah sûr que si. Je m'en fous de la gloire, hein. Moi, salut Lord Calimero, comment vas-tu? Y'a pas de modo ici. Putain, mais on s'est fait biter quoi. Moi je m'attendais à des montagnes d'or quoi. Et on peut même pas les prendre. On a gagné 3000 pièces. Eh ben non. Yes. C'est qui a le crâne? C'est moi. Veste des collectionneurs d'or reçus, elle est bien moche. Elle est bien moche en plus quoi. Même la. Mais même ce qu'on débloque, c'est chum. J'appelle ça du vol moi. On m'avait promis des montagnes d'or. Hein. Au final on aurait mieux fait d'aller faire le truc doré. Hein. Le truc quoi doré? Ah oui. Ah mais je veux bien qu'on touche pas à la part de Willy le Borgne, mais là il est gourmand Willy le Borgne. Hein. Parce qu'on n'a même pas eu droit à une miette quoi. Moi j'ai un crâne. Ouais voilà, si on veut ça. Ah là là. Eh ben c'était... Bien chiant. Bien fait niquer quand même. Sur la fin, ouais, c'était chiant. Alors du coup, la prochaine phase, ça sera quoi? Ça sera l'âme en partance. Oui. Faudra aller à Shipwreck Bay. Ok. Donc ça c'est une nouvelle qui n'a rien à voir avec le Shroudbreaker, c'est ça? Oui. Enfin, j'adore quand même la musique qui est mise en fond quand tu quittes l'île, ça fait plaisir des anneaux. C'est vrai que l'île est la musique est sympa, ouais. Bah, quand tu passes la musique et que tu passes à côté des tours, tu vois, ça fait un peu plaisir des anneaux, enfin, à côté des statues. Tu suis Jack, et il est pas parti dans la bonne direction. Je sais pas par où il faut aller en fait. Bah faut retrouver le bateau qui est près des grandes statues. Bah, je sais plus où est-ce. Les grandes statues, c'est au nord-ouest. Et moi, comme j'ai pas la boussole, je suis. Ah bah, c'est bon, on les a retrouvés. C'est bon, oh, le bateau nous attend en face, il est magnifique. Oh, c'est beau. L'allée mais, les mais autres. Qui, mais qui, sur cette île, il disparaît à chaque fois en deux secondes, il me casse les couilles. Oh, c'est beau. Bah, tu prends ta boussole, c'est au nord-est ou nord-ouest. Oh, regardez-moi ça, cette haie d'honneur. C'est beau. Je pense que c'est mérité. Il y a eu deux germaines et j'en ai oublié une. Oh, avec le bateau juste devant là. Ouais, t'as vu comment ça rend bien. Attends, je reviens en arrière moi. Parce que je vais retraverser ça au ralenti en marchant. Mec chiant, tu sais. Messieurs, c'était un honneur. Est-ce que quelqu'un peut récupérer le crâne d'Iti qui regarde le bateau se barrer au ralenti? Ça va être une bonne idée. Ouais, Jack, on l'a eu. Ouais. Merci. Merci. Ouais, on y va. Bon, bah, on va revendre le crâne et puis, hein, c'était une sympathique aventure. Vous étiez très jolis, les statues. J'aime bien les grandes statues. What? Oh, la récompense, ben, faut croire que c'est ce truc. C'est que le crâne. Je suis un peu déçu, je vous l'avoue. Moi, je m'attendais à une montagne de coffres. C'est quoi le skin de mon perso? Le skin de mon perso. Ah, Nico. Quoi, je crois que c'est la tenue. Ah, moi, on m'a dit que c'était chaud, hein. Non, c'est la tenue. Moi, du je peux pas tartine ce week-end, je pense. Parce que je me suis déjà engagé sur un tournoi de jeux vidéo le 8. Tournoi de jeux vidéo? Oui, organisé par un streamer.
Mais bon, moi sur un tournoi de jeu vidéo, je vais me faire éjecter en 5 minutes et ça sera réglé. C'est vrai. Parce que t'es mauvais. Ouais, mais tout le monde le sait, justement, c'est pour ça. Allez, on va revendre le crâne, on se casse. Donc là, on va devoir retraverser la. On doit repartir au. Là, on va au nord pour l'instant, donc il faut qu'on. Qu'on tourne. Quoique, aller à l'ouest, ça suffirait, non? Ouest? Non, plein ouest. Et on traverse. Et on a. Oui, mais attends. Ah oui, non, faut aller au sud-ouest pour aller pour arriver à Galen's Grave. Ah oui. Sud-ouest, sud-ouest. C'est reparti pour la mer de sang. On a le bon cap là? Non. Là, c'est bon. Ça y est, Atoleborn, comment as-tu? Un cadeau. Ok, notre galion et voler le crâne. Quoi? Pas un cadeau. Attends, attends, comment ça? Attends, nous à la fin de la fable, on a piqué notre galion. Donc quelqu'un a piqué le galion. Putain. Pour le cadeau. C'est génial. Oh, un présent généreux. Mais c'est celui que j'ai trouvé tout à l'heure. Ah bah, il est chiant, celui. Bah l'autre, il me donne le cadeau que j'ai trouvé moi. Eh, hey, tu vas pas me la faire. Tu me dois un cadeau maintenant. Bah attends, je vais t'en donner un. Déjà? Tiens, cadeau. Waouh, c'est trop gentil. T'as vu ça? Pareil. Et à tout le borgne. Pareil, pareil. Oui, bien lu. Donc ça veut dire oh, qu'en Captain, fait... Oh, Captain, vous avez un cadeau pour moi? Ah, comment ça devait être frustrant. Oh, il y a une à droite. C'est tellement gentil. Eh, hey, E.T., j'ai un cadeau pour toi. Non, j'en veux pas. Oh le bâtard. Captain, j'ai un cadeau pour vous. Bah oui, moi j'aime bien les cadeaux. Ah, le vent est avec nous, le vent est avec E.T., nous. On a un cadeau, il est pas contre nous, on va plutôt dire ça, mais il est pas vraiment dans le dos, quoi. Ah, mais ça doit être tellement frustrant de se faire démonter. Oui, mais. Tiens, oui. Merci. Non, bah, tu aimes bien. Bon, en vrai, moi je connais plusieurs personnes qui aiment bien. Toc. Genre toi, il a même pas relevé. De quoi? Eh, hein, laisse tomber, endors-toi. On parlait de manger les petits sablés au beurre de Chabony. Exactement. Et tu le gardes pour toi, hein, mais si j'adore me faire démonter. Oh là là là. Bon, on l'a eu. Poésie du soir, bonsoir. J'ai rien compris. Ouais. Mon dictionnaire de quoi? J'ai pas compris. Bon bah prochaine étape, le méga mégalodon blanc. D'innocent, il y a sûrement ta photo. Ah oui, je pense. Hein. Ah non, la définition d'innocent, mais oui, mais j'ai déjà fait le test de Griffor et je suis à moins 3. Alors en vrai, c'est faux, E.T. n'est pas innocent quand on le connaît vraiment. Je suis à moins 3. Il est pur, mais il n'est pas innocent. Monsieur le navigateur. Hein, quoi? Faut ajuster le cap. Tout à fait, un peu plus vers l'ouest. On est trop au sud. C'est bon. Alors, toc, 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 toc. Qu'est-ce que tu as moins trop? Ouais, test de pureté, je suis pas le pire, mais bon, je suis pas le meilleur non plus, hein, je crois. Hein. Je sais plus, il y en a non, mais moi je me comprends là, Well. De quoi? Quand je dis qu'E.T. il est pur, mais pas innocent, moi je me comprends. Aux armes! Citoyen! Il est candide, mais pas innocent, si tu préfères, peut-être. Où est-il, ce requin? Il était derrière. Je sais pas. Il était derrière nous, là. Il est en train d'arriver. C'est un bleu, ouais, bleu. Il est bleu, ouais. Il mérite la mort. Ah, il va nous croquer le cul, je crois. Non, c'est... il arrive à tribord. Ah, mais il est beaucoup trop près, là. Bon, on peut l'avoir quand même. Ouais, vitef. Hein.
Raté. Mais il tourne beaucoup trop vite autour de nous. Mais c'est quoi cette vitesse là? Il est beaucoup trop rapide. Calmez-vous. Est-ce qu'il existe? Ah, à droite, il va nous mordre le cul. Il essaye, hein, mais. Oh, mais moi je l'ai raté. Non, mais on va trop vite, hein, c'est tout. Mais j'ai l'air. De toute façon, on est arrivé là, il y a Galagans Grave qui. Ah, il est derrière! Oh le pauvre! Oh, c'est mignon! Allez, casse-toi! Ah! Oh, je suis mort! Provoqué. Eh ben voilà, qui fait malin tombe dans le ravin! Ouais! Et si c'était l'inverse, si c'était vous qui me pervertissiez, bande de méchants? Âme pure et chaste! Chet! Ah oui, non, mais oui, de toute façon, oui. Clairement chier là. Nous, on peut faire. Le seul truc qu'on peut faire, c'est de pervertiser. C'est qui je tombe. Pervertiser. Ouais. Ouais, c'est ouais. Quand même résurrectionné. Allez, on est arrivé. On est arrivé, moi je suis mort. Et c'est là qu'on peut là, faire un truc con. Dégueulasse et leur faire peur et dire hey, en fait, j'avais le crâne dans la main, j'ai été passé par-dessus bord et je suis mort. Non, c'est bon, tu as déjà fait une fois le coup de la chaloupe. Oui, parce que c'est clair que nous on pourra pas t'assainir. Hein. Non, là-dessus, y a peu de chance. Allez, ça vaut combien ce crâne de merde? Beaucoup. 10 000. 2 millions. Oh oui, wow. 2 millions de roubles. Je sais pas si ça vaut grand-chose, 2 millions de roubles. Non, je crois pas. Je connais pas la valeur de cette monnaie. On va voir tout de suite. Ça fait 3 euros. Tadada, voilà, il y a des gros chiffres là, pour 3 euros. Alors, 2 millions. 10 000 oh, ouais. Ça va. Mais bon, tu te dis qu'un truc doré, ça vous rapporte un 5 000. Bon. Voilà. Et bah, 2 millions de roubles, ça fait 28 778 euros. Oh, ça va. Eh bah, c'est pas un truc doré qu'on voit derrière là-bas? Ouais, ouais, c'est bien, mais moi je suis plus là. Ah, c'est juste un truc doré, ça prendra pas de temps. Non, c'est bon, une fois, pas deux. On est juste près des buts, regarde. Il est juste à côté, là-bas. Non, ça, c'est, tu sais, c'est un mirage, E.T. Tu crois qu'il est à côté, et finalement, tu traverses toute la map. On la connaît, celle-là. Tu veux être sûr, tu regardes sur la carte. Bref, je m'en fous. Moi, j'ai assez de pièces d'or. Il est censé être vers où? Ah oui, non. Ah, il est juste à côté. Il est direction sud. Ah, on la connaît, ça. Il est derrière un chenon. Il est à côté. Ah oui, mais en passant par où? Voilà, on est en 8, faut aller en 26. Ok, bon, bah, tant pis. On y va? On passe par le nord et... Non, on n'y va pas. Ah, on pourrait faire le crâne qui est droit devant, par contre. Pas la bataille de... Non, mais non plus, non. Non, mais on a déjà eu Cal d'une fois hier, c'est bon, on pourra pas le revoir une seconde fois. Mais en fait, ils demandent que ça, hein. C'est juste que vous le savez pas. Ils les ont plus, mais ils demandent que ça. De quoi? Mon Cal fait nourrir avec une blague, divertis-nous. C'est pas long. Ah, la bêtise, c'est pas moi qui le dis. Mais en plus, le bateau est vraiment parti là. T'es en train de. Il fait tout sombre. Là, il y a un truc sur la cible. C'est vrai que je suis encore à bord. Regardons-le mourir. Tout ça fait un petit pansement au cœur. Dark qui nous abandonne avec le navire qui a foncé dans un rocher. Et en feu. Il y a une toile qui brûle pas par contre. Hein, C'est magnifique. Ah oui, il y a une toile qui brûle pas là, ça va pas ça. Ouais, j'ai pas de truc qui permettrait de faire brûler.
Ah non, ça va. Un petit peu plus à droite là pour que le bateau coule, s'il vous plaît. Regardez-moi ça là, ça ne va pas du tout là. Parce que là, il va réussir à s'éloigner tranquille. Regardez-moi cette image magnifique de ce navire quittant le port. Tout à fait, tout à fait. Bon bah les amis, c'était bien sympathique. Après un boss bien chiant. Dites-moi qu'il n'y en a pas un autre comme ça dans la prochaine fable. Non, deux seulement. Ok. Vous êtes où? Je vois pas. Moi je suis parti, tout simplement. J'ai la dame qui fredonne. Ça veut dire pas envie d'aller faire pipi? Moi je suis sur le bateau. Allez. Et qui? Bon. Je suis en train de regarder sur le quai le bateau qui s'enfuit et qui brûle. Avec je beaucoup vous fais d'amour. Des bisous les amis, moi je vous laisse. Bonne nuit Cald, faites beau rêve, prends soin de toi, à la prochaine, ciao bisous. Beau dodo, à la semaine prochaine. Hein? Je suis à côté de la charpentière ou du marchand, je sais plus. Je sens que je vais brûler ou que je vais me faire vomir dessus. Le bateau tourne. Le bateau tourne. Il revient. T'es dans la boutique de la charpentière? Je crois, oui. Ou l'autre, c'est non, seul marchand. Mais pas compliqué, est-ce qu'il y a une nana qui tape sur du bois à côté de toi? T'as quelqu'un qui fredonne. Ça y est, il m'a trouvé. C'est bizarre, je m'y attendais. Il vient se venger. Pourquoi il revient? Mais donc, il en met bien du temps à couler. Et pourquoi moi j'ai pas brûlé là encore? J'ai pas réussi à t'avoir, en même temps je te voyais pas. C'était juste à côté. Mais j'étais tout en haut moi. Ah ça y est, y'en a un navire qui. Enfin voilà, qui tombe. Non. Voilà. Ah ma, le navire, c'est l'ensemble. Oui oui je sais, c'est parce que je sais pas parler. Oui, Nikop qui vient de t'abonner. Bienvenue parmi nous, bienvenue dans la bulle, installe-toi confortablement, espérant que tu te sentiras bien ici, merci de nous avoir rejoints. Ce navire qui tourne en rond mais qui n'arrive pas à couler. Ah, là j'ai l'impression que c'est bon. Non, non peut-être pas. Toujours pas? Ah c'est qui descendait les vagues. C'est beau comme vue quand même, un navire qui brûle. Non, je suis pas pyromane. Bonne nuit, Isa. Bonne nuit, K2M. Faites de beaux rêves. Prenez soin de vous et à bientôt. Parce qu'on arrête la partie, Kimi. Nous sommes en train de... Cal nous a déjà quittés. Dans un monde meilleur. Voilà. Et là, on est en train de se débarrasser du bateau dans une mort lente et douloureuse. Pour lui, pour nous, c'est pas pareil. Et du coup, je suis en train d'observer ce bateau qui brûle, qui a perdu un mât déjà. C'est long. Moi, je vais sur le bateau. Pour le saboter encore un peu plus. Au feu ! Voilà, donc maintenant on a Jack et Dark qui sont en train de brûler à l'intérieur du bateau. Non, mais on va arrêter là, je vais passer à du dessin, je pense. Alors, Daetic, s'il y a un incendie suspect à côté de chez moi, c'est que je serai sorti de chez moi, peut-être. Ça peut être lié. Effectivement. Je brûle. Avec la musique de la sirène juste à côté, ça passe super bien. Non, le second mât. Non. On a plusieurs personnes qui fredonnent. Et la sirène qui fredonne. Son chant bizarre. Il nous reste le dernier mât. Et il a toujours pas coulé, hein. N'empêche, on a le temps avant qu'il brûle et qu'il coule le bateau, hein. Bon, à part le fait qu'on brûle nous aussi, hein, mais. À chaque fois, on se presse de l'éteindre, mais en fait, y a pas le feu là, quoi. Serait-ce ta faute? Je suis pas sorti.
Donc normalement, non. Bah il coule quand ce bateau? Parce que moi je veux pas partir tant que le bateau il a pas coulé. Bon ça devrait plus tarder. Une fois que le mât sera pété, il va commencer à attaquer la coque du bateau. C'est si long que ça? Ça attaque le premier mât du coup. Après le deuxième, le troisième brûle avec le troisième mât, il tombe. Et quand le troisième mât tombe, il s'attaque enfin à la coque. Ouais, c'est ça. Bah en fait le truc c'est qu'il peut pas s'attaquer à la coque d'en bas vu qu'il y a de l'eau pour l'instant. Chaque fois que je vois pencher en avant, je me dis ça y est, il coule. Mais non, il veut pas. Bah même s'il y avait pas de l'eau. Bah tout en bas en fait, il peut pas faire de trou parce qu'il y a pas de feu en bas. Alors, faut qu'il fasse un premier trou pour que. Ça y est, quand ça prend de feu. Ah, ouais, ça y est, ça prend. Ok. Donc, en fait, tant que t'as une petite couche d'eau dans le bas, techniquement, tu peux pas trop. Eh bah c'est la fin. Ça fait un peu navire fantôme. Hein. Je vais m'arrêter là. Ouais, allez, pareil. Ça y est, tout le monde s'en va. Ça pauvre navire, abandonné de tous avant de mourir. Oui. On le fait souffrir toute une fin de relief et après on l'abandonne. Et ouais, c'est comme ça. La vie est injuste. Je conseille aux pirates qui font frire leur navire, enfin frire brûler leur navire, de se prendre des chamallows. Marshmallow, je sais plus comment on dit. Ça peut marcher. Bienvenue à toi. Oui, toi qui viens de t'abonner. Ça va pas être facile de se souvenir combien il y a de ya. Oh, je suis coup de fatigue. Bon bah des bisous, ouais. À la prochaine. Bonne nuit. Ouais, des bisous, à la prochaine, ciao. Ciao, bisous. La prochaine fois on fait la nouvelle fable. Ouais. Ou alors le voyage initiatique. Oh ça y est, le dernier mât est tombé. Ah, oh, le voyage initiatique il prend feu, après faut chercher les trucs, mais en vrai il prend une petite demi-heure. Et on peut pas le faire ensemble, c'est chacun, on doit tous le faire tout seul. Ah ouais? Oui. C'est seul tout? Ok. Oui. Moi je le ferai tout seul. Ouais, Plux. Salut! Bonne soirée! Ciao! Pa 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 pa. Je suis même pas réalisé ce qu'il y avait là. Et il a toujours pas coulé, hein. Ça fait deux plombs qu'on est en train de regarder ça. Faudrait que je regarde combien de temps sera mis entre le moment où ils ont commencé à brûler. Genre, je vais filmer. Finaise, mais le temps qu'il prend, il est loin en plus. Ah. Je crois que c'est pas si c'est la bonne. Non, même pas. Si. Non. Si. Non. Tout ça pour ça, quoi. Bonjour madame, ou monsieur, je sais pas. Madame. Attends, je vais me retourner deux secondes. Ah non, il est encore là. Mais il met trop longtemps. C'est très passionnant, mais on va arrêter, je pense. Parce que j'espérais le voir couler à un moment ou à un autre. En fait, il veut pas. Tu sais, à chaque fois que je vois descendre un petit peu par rapport au niveau de l'eau, je me dis c'est bon, il coule. En fait, non, il coule pas. Bah alors? Qu'est-ce que tu nous fais, là? Juste parce qu'on arrête la partie, en fait, et du coup, vu qu'on arrête la partie, on se débarrasse du bâton, en général, sur la fin. Sauf que d'habitude, on le sabote. Attends, mais je suis tout seul. Pourquoi j'ai pas fait ça depuis le début, quand ils sont partis? Je vois même plus. Ouais, je pense qu'il coule là. Je pense qu'il coule même plutôt bien. Ouais, là ça coule là.
C'est cool. Ça, il se retourne. Non. Il s'est retourné. C'était la mort d'un géant. C'était notre bateau. Adieu, bateau, on t'aimait bien. Il a l'envers, ça y est. Et il va disparaître dans les flots. C'est donc le moment de dire au revoir à cette diffusion. L'horizon est redevenu plate. Du coup, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un agréable moment. Notre compagnon se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous, je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif, n'hésitez pas à aller découvrir les vidéos de Camarades Filmeurs sur frappestjeux.fr et passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous, et à ciao tout le monde, du moins à tout de suite pour la suite du live. On va aller se dessiner, je pense, quoi qu'il est quelle heure. Il est minuit 26, ça fait pas un peu tôt pour dessiner. Je me connais, faut que je fasse attention. A tout de suite. Ba-dum-b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 um